Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Nathalie. Bonjour Mika. Ça nous fait plaisir de nous retrouver puisque cette année, nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir sur le Salon de l'Agriculture. Petite information nécessaire et indispensable, sachez que nous avons tous deux pratiqué les tests nécessaires pour savoir s'il nous était possible d'être ici même sur un même studio d'enregistrement en toute sécurité. Voilà, vous allez bien ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux à être inscrits pour ce symposium One Health, première émission, édition 2021, aujourd'hui 8 juin. Alors, on tient à préciser que le symposium est organisé par Bleu Blanc Cœur, en collaboration avec l'INRAE, et puis également la société Valorex. Il se trouve que Bleu Blanc Cœur, eh bien, c'est une démarche collective qui vise au bien manger de l'animal, avec des vertus bien sûr pour la terre, la santé de la terre, des animaux et des hommes. Nous avons quelques chiffres à annoncer, Nathalie. Dites-moi si je me trompe, mais ce sont 7000 agriculteurs qui font partie de l'association aujourd'hui, 950 entreprises issues du monde agricole et agroalimentaire, plus de 17 000 citoyens engagés. Alors, parmi ces citoyens, nous parlons de professionnels de santé, des professionnels des métiers de bouche et puis des consommateurs que l'on se plaît à appeler aujourd'hui des consomme-acteurs. Vous êtes tous acteurs du bien-manger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Bleu Blanc Cœur, c'est également une filière qui équivaut à 15% à peu près de la production en France, notamment en ce qui concerne certaines filières de production animale. Et puis nous sommes aujourd'hui, durant ce One Health, très heureux de vous évoquer quelques connaissances scientifiques récemment acquises en matière de liens de santé de terre, des animaux et des hommes. Pour terminer, je tiens à vous préciser une fois encore que, comme les précédents symposiums de l'année dernière, vous allez pouvoir intervenir durant l'émission par des questions. Vous avez un accès chat. Ces questions, ensuite, on tentera d'y répondre durant l'émission, à toutes. Peut-être pas, mais vous ferez en sorte d'y répondre de toute façon au fur et à mesure et dans le futur. Voilà, pour commencer, Nathalie, je vous laisse la parole pour ce symposium, c'est à vous. Merci Mika, très belle introduction sur Bleu Blanc Cœur. Du coup, bienvenue à tous et puis ravi de vous retrouver pour cette émission One Health qu'on a voulu focusser sur le thème de la santé humaine. C'est vrai qu'on sort d'une période bien compliquée, j'espère qu'on en voit le bout. Et pendant cette année de transition, je dirais que notre rapport à l'alimentation et à la santé a vraiment beaucoup changé. On a aussi appris beaucoup de choses ces derniers mois, que par exemple, on était tous collectivement vulnérables par rapport aux infections, aux virus, qu'en l'occurrence, la santé humaine, ce n'était pas un sujet simple, et que la solution n'était pas non plus évidente, qu'elle était holistique, et que l'écosystème, et notamment celui de construire une agriculture à vocation santé, sujet qui nous tient à cœur depuis 20 ans, fait sans doute sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le grand honneur de vous présenter un très chouette programme de One Health centré sur la santé humaine. La santé humaine qui est devenue, il y a eu pas mal d'études consommateurs ces derniers mois, le Crédoc, le Kantar, pour ne pas les citer, qui ont montré que les attentes du citoyen avaient drastiquement évolué ces derniers mois, avec une attente beaucoup plus forte sur la santé. C'était déjà le premier critère d'achat sur l'alimentation, et ça s'est drôlement renforcé ces derniers mois. C'est ce qu'on peut d'ailleurs noter, puisque les chiffres sont passés à 15%. Il me semble l'année dernière que nous avions cité environ 10-12% concernant les filières animales. Oui. T'as raison, tu corrèles direct avec l'évolution de la démarche Bleu Blanc Cœur qui a aussi beaucoup progressé ces derniers temps. Mais c'est aussi parce qu'effectivement, le citoyen, il a des fortes attentes sur des promesses nutritionnelles dans son alimentation. Donc aujourd'hui, on est heureux de vous présenter le programme. On va commencer par présenter les liens scientifiques qui existent entre les nutriments qu'on trouve dans notre alimentation et l'aptitude qu'a le corps de résister face au virus. Ce sont les mécanismes de l'immunité, de l'inflammation. On a deux spécialistes mondiaux, les meilleurs je pense, qui vont nous parler du sujet. Et ensuite on va arriver sur la mise en pratique de cette alimentation bénéfique pour la santé. Chez Bleu Blanc Cœur, on appelle ça l'alimentation barrière. Et on va nous expliquer comment on met en place cette alimentation barrière. Et nous allons, pour commencer, parler d'économie, ou du moins laisser la parole à la ministre déléguée de l'Industrie et de la Relance. Elle travaille à la Maison de l'Économie. Il s'agit de Agnès Pannier-Runacher. Et c'est avec grand plaisir
qu'elle vient ici évoquer ses avis sur ce que finalement le ministère pense par rapport à l'alimentation préventive santé que porte notamment Bleu Blanc Cœur. Alors Agnès Pannier-Runacher, merci beaucoup d'être présente. On vous écoute, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'alimentation est un facteur clé de bien-être et de prévention face à la maladie. Pour autant, on en tire encore trop peu de conclusions en termes de politique publique, que ce soit en matière de santé, d'agriculture ou en matière industrielle. Or, ce sujet peut apporter un bénéfice majeur à nos concitoyens et constitue un enjeu non négligeable sur le plan économique. C'est pour cela que je tenais à participer à ce symposium One Health. Je veux remercier les organisateurs, l'association Bleu Blanc Cœur, qui depuis plus de 20 ans fédère des producteurs, des transformateurs et des consommateurs qui se positionnent à l'avant-garde sur ces problématiques. Je trouve important de rendre compte des travaux scientifiques menés notamment par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sur le lien entre ce que nous mangeons et le bon fonctionnement de notre système immunitaire. La nutrition préventive peut en effet se placer au cœur de la santé publique et être le moteur d'une économie vertueuse. Alimentation et Covid et alimentation barrière, vous aurez un éclairage des meilleurs spécialistes sur ces sujets. En ce qui me concerne en tant que ministre de l'Industrie, je veux souligner l'engagement du gouvernement sur ce sujet d'avenir. Dans le cadre du plan de relance, nous allons ainsi consacrer plus de 7 milliards d'euros en 2021 et 2022 aux innovations à fort impact, dont celles qui concernent le développement d'une alimentation durable, favorable à la santé. Cette stratégie pour l'alimentation durable et favorable à la santé vise par exemple à améliorer la maîtrise des ferments et des micro-organismes tels que les probiotiques dans les produits laitiers pour une production alimentaire à haute valeur nutritionnelle et faible consommation de ressources. Il s'agit également de répondre à la demande croissante des citoyens pour des produits sains, durables et autant que possible locaux. C'est dans ce cadre que nous soutenons l'innovation en matière de légumineuses ou de production biologique. Notre stratégie comporte trois axes d'innovation. Un axe centré sur les sciences du vivant, pour mieux comprendre les relations entre alimentation, microbiote intestinale et santé, et pour accompagner le développement de nouveaux produits, notamment de nouvelles sources de protéines et produits fermentés. Un deuxième axe autour des sciences de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales, qui mobilise les outils numériques pour améliorer l'information du consommateur et la réponse à ses besoins spécifiques. Il s'agit également de développer des démarches d'innovation territoriale, telles que les systèmes alimentaires territoriaux. Enfin, un troisième axe, autour des compétences, tant est importante la nécessité de former de nouvelles générations à ces enjeux et d'améliorer l'attractivité de ces métiers. À la clé de ces efforts, il y a non seulement un gain pour la santé des Françaises et des Français, mais également des emplois et de l'activité. En parallèle, nous apportons un soutien fort à la filière agroalimentaire dans le cadre du plan France Relance pour la moderniser. Nous savons que le maintien de la compétitivité de notre industrie est un préalable indispensable à notre souveraineté alimentaire, dont dépend directement la réponse aux besoins des consommateurs. Maîtriser notre alimentation en France, c'est avoir un réel pouvoir d'action sur la qualité de notre nourriture et donc sur notre santé. L'argent que nous investissons aujourd'hui répond à ce défi. Nous avons lancé un appel à projets de localisation en France de projets industriels clés dans le secteur agroalimentaire. À ce jour, près de 60 projets ont été retenus représentant 465 millions d'euros d'investissement et le potentiel de 2200 créations d'emplois. Beaucoup de ces projets visent à développer de nouvelles sources de protéines, notamment végétales. En Bretagne, en Île-de-France ou dans le Grand Est, pour ne citer que quelques exemples, nous accompagnons des projets de nouvelles sources de protéines issues de légumineuses et de céréales fermentées, des projets de fromage fabriqués à partir de protéines végétales ou encore des projets d'élevage et de transformation d'insectes. C'est un travail de longue haleine et nous n'en sommes encore qu'aux prémices. La recherche est primordiale pour progresser et c'est pour cette raison que ce symposium est important. Ensemble, nous devons continuer à nous mobiliser sur les questions de lien, nutrition, santé. Et je crois que la participation massive de représentants de l'industrie agroalimentaire témoigne aujourd'hui de leur engagement en ce sens. Je veux les saluer et rappeler qu'agriculteurs et industriels sont des partenaires pour élever le niveau de qualité nutritionnelle des aliments au service de tous les consommateurs. Je vous souhaite un excellent symposium et vous laisse entre de bonnes mains. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, quel honneur
vous voir faire notre introduction aujourd'hui et de vous voir évoquer ce sujet de l'alimentation santé ou de cette agriculture à vocation santé, d'appeler de vos voeux justement de prendre en compte ce sujet de l'agriculture et de l'alimentation dans la gestion des crises sanitaires. Finalement, un sujet qui est resté un petit peu dans l'angle mort de la gestion de la crise du Covid depuis un an. Donc c'est plein de perspectives, plein d'espoir. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter les fondamentaux scientifiques qui justifient cette prise de position. Donc merci beaucoup pour votre intervention. L'équipe Bleu-Blanc-Cœur et tous ses adhérents sont très honorés. Les fondamentaux scientifiques, effectivement, il y a multiples experts qui vont intervenir durant cette émission. Mais pour parler au mieux eh bien, de la santé unique et pour faire une micro-conférence introductive, eh bien, qui de mieux que l'un des co-présidents de Le Blanc-Cœur, Pierre Veil, pour nous rejoindre ici même sur ce plateau. Pierre, si vous le souhaitez, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on vous attend. Voilà, chers amis, vous pouvez l'applaudir derrière votre écran si ça vous dit. Pierre, une petite conférence introductive, on vous écoute. Oui, micro-conférence, ça va être très court. C'est un propos introductif pour vous dire que ça fait une vingtaine d'années, maintenant 20 ans, qu'on se donne rendez-vous tous les ans pour présenter les résultats de la recherche Bleu-Blanc-Cœur avec nos partenaires des instituts de recherche académique. Alors, on présentait des résultats d'agronomie, des résultats de santé animale, des études cliniques. Et au fil du temps, on a commencé à parler de santé unique et à appeler ces rencontres des rencontres One Health. One Health ou santé unique. Alors, je vais essayer de vous dire ce que c'est. La santé unique, nous, on l'a définie comme ça. C'est beau comme un slogan marketing. Un sol sain et vivant nourrit bien plantes, animaux et hommes. Et des plantes et des animaux sains font des hommes en bonne santé. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simpliste? Est-ce que c'est fondé sur quelque chose? Nous, on pense. Et puis, chaque année, là, depuis 20 ans, on essaye de nourrir une base scientifique pour montrer qu'une chaîne alimentaire dédiée à la santé et à cette santé unique du sol, des animaux, des hommes, ça doit avoir des bases scientifiques très solides. Alors cette année, on ne peut pas faire autrement que de parler du contexte et de ce contexte Covid dramatique. Là, c'est une copie d'écran que j'ai fait hier du site de l'université Johns Hopkins aux États-Unis qui comptabilise le nombre de cas, le nombre de morts, le nombre de doses de vaccins, etc. et qui est à l'image de nos discussions, de nos informations, de nos journaux depuis un peu plus d'un an. On parle de drames, on parle de décès, on discute des meilleurs gestes barrières, des meilleurs médicaments, des meilleurs vaccins. Est-ce qu'on a parlé de la nutrition et du terrain? Quasiment pas. On a été en permanence dans l'angle mort du traitement de cette crise. Et pourtant, un an et demi en arrière, vous étiez tous, j'imagine, comme moi, sur votre canapé à écouter ce qui nous tombait sur la tête. Et on entendait parler, à ma grande surprise, on a peu parlé de virus, on a beaucoup parlé de virus, mais on voyait des reportages et on entendait parler d'orages cytokiniques, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, de pneumonie, d'inflammation, d'immunité, de choses qui nous semblent en lien avec la nutrition et le terrain. Dans la presse médicale, on définissait la maladie comme ça, en disant qu'il y a une première phase qui est une phase virale, et ensuite il y a une phase inflammatoire qui peut conduire aux formes graves de la maladie, voire à la mort. Alors cette phrase, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout, on peut l'attribuer aux trois personnes qui sont sur la diapo. Louis Pasteur, bien sûr, mais aussi son contemporain et adversaire scientifique qui s'appelle Antoine Béchamp, celui qui a la barbe et les lunettes, qui lui pensait que c'était pas le microbe qui arrivait en tant que tel, mais que c'était nos cellules, quand le terrain était mauvais, nos cellules qui dégénéraient et devenaient des adversaires de notre corps. Ce qui n'était pas complètement vrai, mais pas complètement faux non plus. Pasteur, de son côté, savait ce que c'était que le microbe, mais définissait aussi toute l'importance du terrain. Et Claude Bernard, en haut sur la diapo, qui est le père de la médecine expérimentale, ou de la médecine moderne, au moins en France, aurait dit « Béchamp a raison ». Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc je pense qu'on peut attribuer la phrase aux trois, mais toujours est-il que le terrain, on n'en a pas parlé dans la grande presse. Par contre, on en a beaucoup parlé dans la presse scientifique, à comité de lecture. J'ai tapé hier sur PubMed, là, sur la Bibliothèque scientifique internationale, les mots-clés Covid et nutrition. Et là, il y a 2664 articles, articles Princeps, qui traitent de sujets nutrition et Covid. Donc il y a bien un fond. Et pour parler de ce fond, ils nous ont fait l'immense honneur d'être présents à nos côtés. Le professeur Philippe Calder, qui interviendra tout de suite. On peut, quand on tape immunité et nutrition, 122 résultats, 122 articles signés ou co-signés. C'est sans doute le spécialiste mondial de ce lien
entre l'immunité et la nutrition. Et puis William Harris, qui est avec nous dans le Dakota du Sud, il doit être 7 heures du matin. On le remercie aussi beaucoup d'être là et de s'être levé tôt pour nous. Il a beaucoup publié, vous verrez dans sa présentation, il a beaucoup publié sur le lien entre la nutrition, les acides gras et l'inflammation. Donc on va traiter ce sujet oublié, ce sujet du terrain, ce sujet de la nutrition. On a demandé aussi au professeur Le Cerf de répondre à cette question. Y a-t-il une place pour une alimentation barrière comme il y a une place pour des gestes barrières? Alors je ne vais pas, il le commentera, mais il parle d'immunité, il parle d'inflammation. Et qu'est-ce qu'on voit sur sa diapo? On voit du soleil, on voit un poisson, on voit un champ de lin, on voit du beurre, on voit des légumes. Cet après-midi, on parlera de terrain, on parlera d'inflammation, on parlera d'immunité. On parlera des nutriments qui sont essentiels à l'immunité et à l'inflammation. On parlera de la densité nutritionnelle des aliments et on parlera aussi des modes de production des aliments s'ils influent sur leur densité nutritionnelle. Alors One Health 2021, c'est quoi notre ambition? C'est de trouver une place pour la prévention, la santé, la nutrition. Peut-être pour cette pandémie-là, c'est un peu tard, peut-être que ça viendra. Peut-être que les gens se poseront des questions sur comment c'est arrivé, pourquoi certaines personnes, ça passe tout seul et pourquoi d'autres, ça les conduit à l'hôpital, etc. Peut-être qu'un message émergera sur le rôle de la nutrition et de la densité nutritionnelle des aliments. On va beaucoup parler de biochimie cet après-midi, mais on va essayer de rendre à la biochimie son rôle, son sens le plus noble. C'est la chimie de la vie. La vie qui commence dans les champs, qui continue dans les plantes, qui continue chez les animaux et qui finit chez nous, dans nos assiettes, dans les champs, voire même sous les champs, quand il s'agit de la vie de tous ces microbes du sol qui vont puiser les nutriments, qui vont constituer notre alimentation barrière peut-être. C'est pourquoi on a décidé de dédier cette session One Health 2021 au contexte Covid, avec toujours ce double défi, climat et nutrition, et quelque chose qui va, j'espère, en tout cas qui est notre fil conducteur depuis 20 ans, c'est la mesure. La densité nutritionnelle se mesure, la qualité environnementale se mesure, du nombre de vers de terre à l'hectare à la quantité d'antioxydants, de vitamine D ou d'oméga 3 dans l'assiette. Tout ça se mesure et je pense que cette logique de One Health, de santé unique, elle a un sens que si elle a un socle scientifique et de mesures possibles solides. Donc je vous remercie tous, intervenants et puis personnes qui assistent, d'être là avec nous et je vous souhaite une très bonne session 2021. Merci. Merci beaucoup Pierre pour cette conférence introductive. Et effectivement, nous allons sans plus attendre eh bien, passer à la première séquence. Nutrition, inflammation et immunité, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ici même quelqu'un qui nous arrive de Southampton. Il est pour le coup professeur de médecine, nutrition, immunité, surtout là-bas. Il s'agit de Philippe Calder. Vous êtes considéré comme le spécialiste mondial du lien entre nutrition et immunité. Merci beaucoup de votre présence. On vous écoute sur toutes vos études. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette gentille présentation. Merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui pour cet événement incroyable, je dois dire. J'espère que quelqu'un va gérer mes diapos. Super. Ah, parfait. Alors, Pierre a parlé de l'importance de la nutrition pour venir soutenir le système immunitaire. Je pense que c'est un point clé, en effet. La nutrition est extrêmement importante pour venir soutenir l'immunité et le microbiote notamment, et pour contrôler l'inflammation, si vous voulez, dans notre corps. Et donc tout ça, c'est très important si on prend par exemple le lien avec le Covid-19. Alors moi, on m'a parlé de parler des acides gras polysaturés et le lien avec le Covid-19. Alors, lien suivant, s'il vous plaît. Alors, le système immunitaire est ce qui nous protège de ce qu'on appelle des pathogènes, hein, donc les bactéries, les virus, et j'en passe.
c'est notre système de défense. Diapo suivante. Alors, quand on est infecté, on a besoin davantage d'énergie. Et ça, c'est dû au fait que notre système immunitaire a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie pour faire le travail qu'on lui demande. Vous voyez ? On a besoin de ces briques pour construire les murs de défense. Vous voyez ? Et ça, c'est notre système immunitaire créer des choses, créer les protéines, les anticorps, par exemple. Et on a besoin donc de toutes ces petites briques pour créer ces protéines nécessaires. Et notre système immunitaire crée également des cellules nouvelles. Et on a besoin donc des briques pour créer ces cellules, pour construire ces cellules. Alors bien sûr, la nutrition est extrêmement importante dans ce rôle. La nutrition va également réguler un petit peu la génération d'énergie et toute cette construction de mur que je viens d'évoquer. Donc on va parler donc de différentes choses comme la vitamine A, la vitamine C, le zinc et d'autres. D'accord ? Donc tout ça, ça vient de notre alimentation. On a entendu parler d'inflammation, n'est-ce pas? L'inflammation, c'est, on va dire, le revers de la pièce, de la réaction de notre système immunitaire. Et donc, il va falloir que nous, qu'on se protège des effets, des effets négatifs sur notre système immunitaire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réguler les inflammations. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que la nutrition est impliquée dans toutes ces composantes de la nutrition et de son rôle, et du rôle du système immunitaire, pardon. Alors, si on prend par exemple la progression de sévérité, prenons le coronavirus. Alors, on va commencer, vous voyez, sur cette diapo, tout à gauche, avec les personnes qui sont non infectées. Et puis, malheureusement, on va pouvoir aller jusqu'à certaines personnes qui vont avoir des symptômes sévères, qui vont probablement devoir être hospitalisées, peut-être même qui vont mourir. Et donc, il y a une progression qui va passer donc de personnes infectées mais asymptomatiques aux symptômes légers, les symptômes plus forts et ainsi de suite. Prochaine diapo. Alors donc, on peut prendre différentes composantes dans cette trajectoire. On peut prendre en compte ce que Pierre a appelé donc le composant viral ou antiviral qui va permettre d'éviter cette progression et d'éviter de passer à l'étape suivante de la maladie. À un moment donné, il va falloir parler de traitement. Et ça, c'est la composante inflammatoire à laquelle Pierre a fait référence. Il va falloir des traitements pour gérer les symptômes un peu plus forts ou les symptômes sévères. Diapo suivante. Alors, si on parle de prévention, bien sûr, on peut prévenir l'exposition. Ça, c'est l'hygiène, par exemple. Et c'est l'isolement, c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale, porter le masque, et ainsi de suite. Mais on peut également, et il faut bien sûr, aider le système immunitaire à gérer, à contenir le virus. Il va falloir, gérer, donc, alors vous voyez, on a la non-infection, l'infection asymptomatique, symptômes légers, ainsi de suite. Donc les différentes diapos suivantes. Alors, si on prend donc tout à la fin de cette progression, donc les symptômes sévères, qu'est-ce qui s'y passe? Alors ici, vous voyez donc des données donc de recherche chinoise, donc au début de la pandémie, et donc on a deux tableaux ici, deux graphiques. À gauche, on a donc l'inflammation. Macro, et puis l'immunité, par contre. Et donc, tout ça, c'est en lien avec le Covid-19. Alors, ce qu'on voit sur le bleu, ce sont les patients qui ont survécu avec le temps. Et les patients qu'on voit en rouge sont ceux qui, malheureusement, sont décédés. Et donc, on voit tout de suite que le bleu et le rouge ont des progressions différentes. Les patients qui ont survécu ont des inflammations moins fortes et une immunité meilleure, alors que les autres avaient une immunité plus faible et une inflammation excessive. Donc peut-être y a-t-il des stratégies pour gérer l'immunité et gérer l'inflammation qui vont aider dans ces pandémies virales. Diapo suivante. Alors, vous avez entendu parler peut-être des tempêtes cytokines. C'est ce qu'on voit en bas à gauche de cette diapo. Donc ça, c'est une tentative que j'essaie de montrer pour faire un lien entre l'infection coronavirus et les résultats, très graves, donc défaillance d'organes et la mort. Et donc, la tempête cytokine, ça veut dire que l'inflammation est trop importante. Et c'est un élément clé quand il s'agit du développement de symptômes très sévères. Et c'est la raison pour laquelle on parle de cette tempête cytokine. Diapo suivante. Alors, si on parle de traitement maintenant, l'idée est donc de contrôler l'inflammation et de soutenir le système immunitaire. Ça, c'est très important. Diapo suivante.
Alors, la question c'est, y a-t-il un rôle pour ces acides gras polyinsaturés? Next slide. Diapositive suivante. This is a figure. Alors, ici, vous voyez donc un tableau donc d'un article que moi j'ai publié en 2019 qui nous montre cette idée donc d'une inflammation trop importante et d'une immunité trop faible. Et c'est ce qu'on a vu avec certains des patients de Covid-19, ceux qui sont décédés. Et donc, ce que j'essaie de montrer ici, c'est de suivre donc la progression d'une infection virale. Donc certaines personnes développent une inflammation trop importante et une immunité trop faible. Alors l'inflammation trop importante, c'est dû à la perte de fonction donc des différents organes. Et l'immunité faible, ça veut dire que les personnes vont pouvoir attraper des infections d'autres bactéries ou d'autres virus. Alors, ce que je suggère, c'est que les acides gras oméga-3, par exemple, peuvent permettre de gérer ces excès d'inflammation et d'immunité trop faible. Diapo suivante. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler donc des oméga-6 et ensuite des oméga-3, donc des acides gras polyinsaturés. Alors, il y a différents membres de ces familles, et moi je voudrais parler de ceux qui sont les plus actifs, ceux qui sont les plus importants dans notre système inflammatoire, dans notre système immunitaire. En ce qui concerne les oméga-6, donc c'est l'acide arachidonique qui nous intéresse. Alors, ce que nous voyons ici, c'est que l'acide arachidonique est traduit en d'autres substances, donc les prostaglandines et les leucotrienes, et qui vont jouer un rôle très important. Ce sont des enzymes qui vont convertir les oméga-6 et qui vont jouer un rôle pour la création d'écozonides. Et ces écozonides vont être très importants pour la réponse respiratoire notamment. Donc les oméga-6 vont jouer un rôle très important, comme je l'ai dit. Et donc les écozonides, les médiateurs écozonoïdes, vont permettre d'aider dans les problèmes respiratoires, l'asthme par exemple, mais pas uniquement. Donc il y a quelque chose qui est très important dans cet acide arachidonique qui est lié donc avec l'inflammation. Et d'ailleurs, certaines personnes se sont intéressées à ces interactions dans le cadre du Covid-19. Et donc là, vous avez deux publications scientifiques. Donc, celle du haut a montré un petit peu comment ces médiateurs ont joué un rôle dans le cadre du Covid-19, décrivant donc des personnes qui avaient des symptômes Covid-19 sévères avec des productions avec des productions de ces médiateurs très importantes. Et en bas, on a plutôt une discussion sur le fait que ces médiateurs écozonoïdes ont joué un rôle important dans le cadre de cette tempête dont je vous parlais, cytokines, dans le cadre du Covid-19, et donc qui viennent éventuellement de ces ARIA, donc de ces acides arachidoniques. Diapo suivante, s'il vous plaît. What about omega-3? Alors, qu'en est-il maintenant des oméga-3? Alors, bien sûr, les acides gras oméga-3, donc on en a plusieurs, notamment dans le poisson. Ça a été étudié maintenant, ça fait 30 à 40 ans, disons. Et nous savons que les acides gras oméga-3, ont beaucoup de valeurs ou d'actions anti-inflammatoires. Et ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet de recherches depuis des décennies maintenant. Et nous-mêmes, nous y sommes intéressés. Et donc, concernant cette action anti-inflammatoire, bien sûr, ça nous mène sur un autre sujet qui nous prendrait peut-être trop de temps pour aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, peut-être, c'est que ces acides gras sont connus pour réduire les inflammations. Diapo suivante. Néanmoins, il y a peut-être une nouvelle approche concernant l'interaction entre les oméga-3 et les inflammations. Il y a un processus qui a été découvert à peu près une vingtaine d'années et qui s'appelle la résolution de l'inflammation. Et la résolution de l'inflammation, c'est le fait d'éteindre le feu, comme on voit un petit peu sur cette diapo. Donc, la résolution, c'est l'extinction de l'inflammation. Donc, on peut ajouter des médiateurs chimiques.
mais ceci non, on se fait naturellement dans le corps. Alors certaines personnes se sont intéressées aux différents éléments chimiques qui jouent un rôle dans cette résolution. Diapo suivante. Et donc, quand ils ont considéré, ils se sont aperçus, à leur surprise d'ailleurs, que les éléments chimiques qui jouent un rôle dans cette résolution sont produits par les EPA et les DHA. Et ceci démontre que les oméga-3 sont très importants dans la résolution des inflammations. Et donc, il y a plusieurs aspects à ça. Tout d'abord, il faut considérer le fait que les oméga-3 sont anti-inflammatoires, donc et qu'ils ont également, qu'ils sont proactifs dans le processus de résolution. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un petit peu le montage chimique, entre guillemets, de la transformation d'EPA en DHA un élément chimique qui vont permettre la résolution de l'inflammation. Alors, bon, ne rentrez pas trop dans le détail, ne vous intéressez pas. Dites-vous juste que les oméga-3 sont clés quand il s'agit de résolution d'une inflammation, donc de l'extinction du feu. Voilà. Alors, diapo suivante. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc les EPA et les DHA réduisent les inflammations, c'est-à-dire qu'ils sont anti-inflammatoires. Mais ils donnent également lieu à des éléments chimiques qui vont éteindre l'inflammation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir permettre la résolution. Et donc ça, ce sont deux résultantes des acides gras oméga-3. Pardon, diapo suivante. Alors, mon approche de la chose, c'est que les EPA et les DHA sont, des contrôleurs très importants de l'inflammation. Ils contrôlent l'état inflammatoire du corps. Diapo suivante. Alors, donc si on revient à ce que je vous ai présenté un peu plus tôt, ce que je vous montre ici, c'est que les EPA et les DHA peuvent être utilisés pour créer les excès inflammatoires et pour pallier à l'immunité trop faible. Alors, bon, bien sûr, ceci, on s'en est intéressé avant le Covid, mais maintenant qu'on est dans cette situation, et depuis un an et demi, on s'y intéresse davantage, parce que puisque ces EPA peuvent jouer un rôle important dans le cadre du Covid-19, il faut qu'on s'y intéresse. Alors, diapo suivant. Alors, il y a différents essais d'EPA et DHA, qui ont été testés dans le cadre des syndromes donc de détresse respiratoire aiguë. Alors, et il se trouve que ça fait partie des symptômes donc de sévères du Covid-19. Donc il y a une expérimentation qui a été lancée. Les chercheurs ont pris donc les différents résultats d'essais cliniques, d'études cliniques qui sont relativement similaires, en mettant ces données, en consolidant ces données pour avoir une meilleure image un petit peu de la situation. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, cette méta-analyse de l'impact des oméga-3, donc des acides gras oméga-3. Pardon. Et donc ça, c'est avant Covid-19. Et donc, vous voyez, bon, il y a beaucoup de chiffres ici, mais c'est, le résumé statistique donc de ces différents essais qui ont été faits. Et ce que nous avons identifié avec toutes ces données, c'est que les EPA et les DHA, et donc encore une fois, ce sont des essais randomisés, contrôlés bien sûr. Donc il y a des groupes placebo, des groupes contrôlés et des groupes oméga 3. D'accord ? Donc ça, c'est important de prendre en compte pour la comparaison. Et donc ce que cette analyse a permis d'identifier, c'est que les EPA et les DHA permettent une meilleure fonction respiratoire, donc pulmonaire, moins de problèmes d'organes collatéraux, donc que ce soit le cœur ou les autres, qu'on a des périodes moins importantes en soins intensifs, pardon, et puis finalement moins de décès sur une période de 28 jours. Voilà. Donc on s'aperçoit que les EPA, les DHA, les oméga 3, en d'autres termes, peuvent vraiment aider et ils fonctionnent relativement bien même. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les acides gras oméga 3 pourraient être utilisés pour soigner des patients Covid-19. Diapo suivante. Et en fait, un certain nombre d'essais ont commencé ou vont commencer pour déterminer si le PA et le DHA peuvent être utilisés pour traiter le Covid-19. Et d'ailleurs, un de ces essais a été publié.
Et donc, alors là encore une fois, hein, c'était donc un essai randomisé. On avait 128 patients atteints du Covid-19 qui étaient en soins intensifs. Et tous ces patients donc recevaient donc des soins standards. Et puis un des groupes était traité avec donc des EPA et des DH1 en plus des autres soins. Et donc ça, c'était fait sur une période de 14 jours et sur une, de manière quotidienne. Et donc, à droite de l'écran, vous voyez donc les résultats. Donc pour les groupes oméga-3, eh bien, il y avait une survie améliorée hein, à un mois, donc 21% contre 3%. Et on s'aperçoit que les oméga-3 améliorent les marqueurs de fonction rénale, les oméga-3 améliorent également certains marqueurs de fonction respiratoire, et également le nombre de lymphocytes sanguins, qui sont très importants dans le système immunitaire. Donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de résultats ou d'impact positif de l'utilisation d'oméga 3. Ce qui est important aussi, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été mesurées qui n'ont pas vraiment différé entre le groupe oméga 3 et le groupe de contrôle. Donc on s'aperçoit que les résultats des oméga 3 sont relativement discrets. Si on prend par exemple ce qui est lié à l'inflammation et le système immunitaire, pardon. Donc, les oméga-3 pourraient avoir un rôle en termes de traitement. Alors, pourquoi pas dans le cadre de la prévention? Bon, on n'est pas encore sûr, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études concernant le rôle préventif des oméga-3. Je crois que William Harris, le professeur Harris, va parler un petit peu donc, de l'effet de... enfin cet effet. Mais je vais peut-être quand même partager quelques données avec vous. Donc ça, ce sont des données d'une étude dans laquelle j'ai été impliqué. Donc c'est une très grosse étude concernant 445 850 personnes utilisant une application sur leur téléphone portable. Cette application, on l'appelle le COVID-19 Symptom App, donc l'application concernant les symptômes COVID-19. Et donc, on a des personnes qui ont été testées positives au COVID-19 et d'autres qui n'ont pas été testées positives. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des gens qui ont publié leur état eux-mêmes, d'accord? Donc on n'a pas des données d'hospitalisation. Donc nous avons demandé à ces gens, via l'app, concernant des suppléments qu'ils ont pu utiliser, hein, et notamment des suppléments alimentaires oméga-3. Et donc on voit ça les résultats donc par pays. Donc on a le Royaume-Uni en rouge, on a les États-Unis en vert et la Suède en bleu. Et donc vous voyez qu'il y a des données assez similaires pour ces trois pays, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Suède. Et ce que nous voyons, c'est que les personnes qui prenaient des oméga-3 en supplément alimentaire avaient plus de chances de ne pas être testé positif au Covid-19 ou moins de risques d'être testé positif que les autres. Donc ceci nous permet de penser que les oméga-3 pourraient avoir un rôle préventif, aidant le système immunitaire à gérer les attaques en amont, très en amont, et qui donnerait les résultats de ces tests négatifs. Je trouve ça très intriguant et je voudrais avoir plus de résultats concernant le rôle des oméga-3 en termes de prévention. Diapo suivante. Alors, donc, il semblerait qu'il y a des rôles pour les oméga-3 en traitement et en prévention. Je pense qu'ils sont en effet utiles tout au long de ces trajectoires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que les acides oméga 6 jouent un rôle important. Je vous ai également dit que le Covid-19 est associé à des altérations hein, de ces écosanoïdes sanguins. Je vous ai également dit que les acides gras oméga 3 exerce, disons, de multiples actions anti-inflammatoires. Et ça, bon, ça a été prouvé depuis des décennies maintenant. J'ai également parlé d'une nouvelle découverte, à savoir que les acides gras oméga-3 jouent un rôle dans la résolution de l'inflammation. Je vous ai montré également une méta-analyse qui a montré que des patients avec des symptômes sévères de problèmes respiratoires, grâce
comment dire, peuvent donner lieu à des problèmes de malfonction d'autres organes et peut-être même la mort. Et j'ai également montré que les oméga 3 ont, dans certains essais, montré qu'il y avait un impact positif, en tout cas encourageant, dans le rôle de traitement et même éventuellement de prévention. Alors, en termes de conclusion, je dirais que les EPA et les DHA pourraient jouer un rôle dans la réduction du risque d'aggravation du Covid-19. Ils pourraient également jouer un rôle dans le traitement du Covid-19 plus sévère. Alors, quant à leur rôle de prévention, on n'en est pas encore suffisamment sûr. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, professeur Calder, pour cette bien brillante et très pédagogique présentation. C'est vrai que vous venez de poser, je dirais, les bases scientifiques comme quoi la nutrition, l'alimentation a un rôle sur les mécanismes de l'immunité et de l'inflammation qui sont deux mécanismes impliqués dans la gestion des maladies infectieuses ou virales dont on souffre très largement aujourd'hui dans nos populations occidentales. J'ai très envie de faire un lien avec ce que l'on porte depuis 20 ans au niveau de Bleu-Blanc-Cœur. Depuis 20 ans, on porte cette démarche d'amélioration via la chaîne alimentaire du statut nutritionnel en oméga 3 avec un équilibre oméga 6 oméga 3 amélioré dans les filières de production animale dans une logique de prévention santé. Vous avez parlé de prévention. Je dirais que là, vous venez de poser le crédit sur ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc effectivement, ça nous porte dans nos convictions. Et vous venez nous expliquer que cet équilibre oméga 6 oméga 3, eh ben, on le régule par l'alimentation. Je vais prendre l'exemple, j'ai beau être une blonde, mais d'une voiture, effectivement, les oméga 6 et les oméga 3, c'est un peu comme le frein et l'accélérateur. Les oméga 6 vont gérer l'inflammation, le démarrage, la phase de promotion, comme vous l'avez dit, pour lutter contre l'infection, le virus. Et les oméga 3 arrivent après comme un statut anti-inflammatoire, comme le frein, pour justement faire en sorte que cette inflammation qui peut devenir excessive, ne nous nuise pas, en tout cas à notre santé. Et je trouve ça passionnant. Et aujourd'hui, je dirais que depuis 20 ans, on porte ce projet. Vous venez de mettre en lumière que ce qu'on fait, il y a encore des choses à faire en termes de prévention, c'est évident. Mais en tout cas, c'est important. Et on dit souvent une phrase, quand on sait pourquoi, enfin, quand on connaît toutes ces informations scientifiques que vous venez de nous livrer, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. Et donc, je pense que ça va réassurer les acteurs des filières bleu-blanc-cœur qui sont déjà pleinement impliqués et sans doute ouvrir des perspectives à des nouveaux partenaires. Merci beaucoup Nathalie. Nous allons maintenant nous rendre compte avec un nouveau scientifique. Il est professeur de médecine à l'université du Dakota du Sud. Il est classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents, toutes catégories confondues, par l'université du Dakota justement. Il se trouve que nous avons ici même avec nous le professeur William Harris qui nous a rejoint. Vous avez mené des études très récentes concernant notamment les apports d'oméga 3 et l'oméga 3 dans le sang. Alors on vous écoute sur vos nouvelles revues scientifiques et nouvelles données, car elles sont très intéressantes et vous allez pouvoir nous orienter à ce niveau. À vous professeur. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de retrouver Philippe, même virtuellement. C'est un bon ami, mais c'est aussi un scientifique renommé. Et je dois dire que Philippe fait partie des 1% de chercheurs au top, un des scientifiques vraiment les plus sérieux que je connaisse. Alors, je vais démarrer avec mon premier slide. C'est tout d'abord une évidence et nous allons continuer avec le thème qui vient d'être mentionné, bien sûr, par Philippe. C'est que les personnes qui ont les taux les plus élevés d'oméga 3 dans le sang sont ceux qui sont le moins à risque en ce qui concerne la mortalité, en tout cas due au Covid. Alors, donc voilà, je vous donne une petite idée d'où je viens, même si les plaines, voilà, ça représente, on est dans la région des plaines, mais on a quand même aussi des chutes d'eau, comme ici, la rivière Sioux. Voilà, ça c'était pour me situer. Alors,
nous allons donc parler du lien qui existe entre les oméga-3 et l'inflammation, en particulier les biomarqueurs. Évidemment, Philippe en a déjà parlé, mais nous allons également regarder les effets sur les biomarqueurs inflammatoires, les niveaux qui sont associés, donc les oméga-3 qui sont importants ici, et puis aussi comment influer sur le changement de ce niveau des biomarqueurs. Ensuite, on va parler sur les effets sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë. On va également parler d'une étude qui a été publiée, faite par nous et publiée en janvier sur les taux sanguins et l'association avec le risque de la mortalité due au COVID-19. Et ensuite aussi, rapidement aborder le lien entre oméga-3 et toutes les causes de mortalité. Je vais donc vous parler d'un biomarqueur que nous appelons l'index oméga-3. C'est la quantité de EPA et de DHA dans les membranes des globules rouges qui sont exprimées ici en pourcentage d'acide gras total. Voilà, c'est une bonne manière de savoir combien de gras nous avons dans nos tissus. Et c'est donc ici une cellule un globule rouge, et on regarde ici la couche de lipides dans la membrane. C'est ainsi que sont construites toutes nos cellules dans le corps. Il y a cette couche de lipides, et ici vous voyez quatre bulles rouges et les autres sont bleus. Les rouges, ce sont des acides gras déjà constitués par l'oméga-3. Et les autres ne sont pas des oméga-3. Donc ici, il y a donc 64 acides gras, dont seulement 4 sont des oméga-3. Alors, vous voyez que 64 parties d'acide gras et seulement 4 d'oméga-3, bah, ça donne un indice d'oméga-3 de 6,25%. Voilà, c'est donc ce que je voulais vous présenter en introduction. Alors, quel est l'indice d'oméga-3, on va dire normal? Eh bien, c'est quand on a un pourcentage de 8 à 12%, selon l'indice que je vous ai présenté précédemment. Et si vous voyez complètement à droite, ici, donc, pardon, à droite, la barre verte, eh bien, elle est normale pour une population qui consomme beaucoup de poissons. Et donc, on a par exemple le Japon et la Corée du Sud. Et ça, c'est vraiment remarquable. Aux États-Unis et en Europe et dans la plupart des pays occidentaux, on se situe à entre 4 et 8 d'indice d'oméga 3. Ce qui veut dire que, eh ben oui, les Japonais et les Coréens du Sud vivent plus longtemps que les Américains, ça, c'est sûr. Lorsque l'on fait, je crois que dans la longévité sur l'échelle, les Japonais sont à la place numéro 2 et nous sommes à la place numéro 34 hein, aux États-Unis. Vous voyez, on peut quasiment doubler l'indice d'oméga 3 pour les pays tels que le Japon et la Corée du Sud. La Corée du Sud est même peut-être à la première place d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a les autres dans la partie rouge. Alors, on va vraiment entrer dans la relation entre les oméga-3 et l'inflammation, parce que bon, Philippe a déjà fait un travail considérable en faisant cette première présentation. Ça, c'est un tableau qui a été publié il y a 6 ans. C'est ce que nous appelons l'étude Fontes, enfin Framingham Offspring Study. C'est une large étude de cohorte ici. Qui a été menée dans un endroit qui s'appelle Framingham. Donc, on regarde cette cohorte de personnes, on mesure l'index d'oméga 3. 207 personnes ici ont été analysées et on fait une corrélation avec tous les autres biomarqueurs que nous connaissons. Donc, par exemple, chacun de ces biomarqueurs, de ces substances chimiques qui sont listées ici, font partie également, enfin, s'inscrivent dans le lien qu'il y a avec une inflammation. Alors, si on regarde à droite,
de ce tableau, au sein du carré bleu, enfin du rectangle, on voit des chiffres négatifs. Ce qui veut dire qu'il y a un lien inversé ici entre oméga 3, le taux d'oméga 3 et le taux des marqueurs inflammation. Ce qui veut dire que plus il y a d'indices, plus il y a d'oméga 3, moins il y a de présence de ces marqueurs. Et ça comprend vraiment un spectre assez large de marqueurs inflammatoires. Donc ça a été généralisé ici pour pouvoir illustrer vraiment ce lien avec l'inflammation. Alors, c'est une chose de dire qu'il y a un lien entre oméga 3 et inflammation, mais il y en a un autre, parce que, bon, voilà, il peut y avoir d'autres facteurs qui sont liés à cette inflammation. Il est plus difficile de dire si vous donnez des oméga 3 et vous voyez qu'ils réduisent les marqueurs inflammatoires. Mais ça, c'est une étude qui a été faite, qui est beaucoup plus petite, hein, sur 35 patients seulement. Nous avons ici un essai clinique randomisé et contrôle sur des patients atteints d'ulcères à la jambe. Ce sont ici des substances chimiques que l'on appelle des médiateurs inflammatoires qui sont présents dans le corps, et on a donc mis en évidence, on a ressorti vraiment les liens avec l'EPA et DHA. Et pendant 2 mois, donc, on a supplémenté, pendant 2 mois, 8 semaines, on a supplémenté ces patients avec de l'oméga 3. Tous ces marqueurs, vous voyez ici la décroissance dans le groupe qui a la décroissance des marqueurs inflammatoires pour le groupe qui a été suppléé, alors que dans le groupe contrôle, les taux n'ont pas été réduits. À gauche, donc ça tend déjà à dire que l'on peut suppléer ces patients. Alors, il faut aussi savoir que dans cette étude-là, il y avait une association avec l'âge. Vous voyez que tous les patients ici se situent aux environs de la soixantaine, mais on peut ensuite extrapoler. Alors, Philippe a permis de résumer les 3 slides suivants en une seule. Ici, une analyse, une méta-analyse. On a mis ensemble plein d'observations qui venaient de toutes ces études randomisées, mais toujours autour du syndrome respiratoire aigu. Et ici, on a regardé les points verts se situent à droite ou à gauche de la ligne tirée au-dessus du zéro. Et ce que cela veut dire, c'est ça mesure en fait l'oxygène dans le sang. Alors, combien d'oxygène se trouve dans les artères, donc dans le sang, par rapport à l'oxygène qui est inspiré. Et ici, le groupe qui a reçu des oméga 3 inspire mieux que les autres. Et Philippe l'a aussi mentionné, ça ce sont les journées, le nombre de journées de ventilation, donc mécanique. Et ici, c'est sans doute sur la diapo suivante le résultat le plus important. Ici, on parle de mortalité, donc la mort en raison du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et ici, vous voyez que le risque de mortalité est diminué dans le groupe qui a reçu des oméga 3. Ça limite ce que nous appelons la tempête inflammatoire. Slide suivante. Alors, je vais maintenant rentrer dans le monde du Covid.
On y a déjà passé un certain temps, c'est vrai, nous tous dans le monde, mais néanmoins, il convient de se pencher un petit peu en détail. Ici, donc, un apport, une prise supplémentaire, donc, d'oméga-3, EPA, DHA, et vous voyez ici la répartition de cette prise volontaire, si je puis dire, de supplément d'oméga-3, et qui correspond donc aux régions dans le monde. Ici, on a utilisé des données qui nous viennent de l'Organisation mondiale de la santé, et plus il y a de prise d'oméga-3 en fonction de la région, eh bien, plus bas est le taux de mortalité dû à la COVID. Donc ça, c'est une association qui a l'air évidente comme cela. Néanmoins, nous n'avons pas encore toutes les données qui tenteraient qui nous permettraient de faire une explication vraiment à 100%. Ici, ça aussi, c'est Philippe vous l'a montré, ce sont les différents suppléments alimentaires et en lien avec la COVID. En fait, bien sûr, on a demandé quels étaient les suppléments que prenaient ces personnes. Donc, vous les avez qui sont ici listés et ensuite, on voit les effets positifs ou négatifs sur la COVID. Il y a quatre groupes différents de suppléments qui sont en lien direct, on va dire. Enfin, en tout cas, avec une meilleure santé, les oméga-3 sont en tête. Il y a donc le bleu foncé, il y a le bleu clair et puis il y a, ça, ce sont les données, on va dire, significatives. Et tout ce qui n'est pas en gras, ni encastré de couleur ne forme pas de différence significative. Donc on voit ici les suppléments qui ont une influence sur la diminution du risque d'inflammation par la COVID. Ici les oméga-3, les probiotiques arrivent en tête, suivis des multivitamines et de la vitamine D. Et puis la vitamine C et le zinc, malgré tout ce que l'on a pu en lire dans la presse, le zinc en particulier, eh bien montre ici très clairement qu'il n'y a pas de lien. Mais il y a en tout cas le lien pour l'oméga 3 et c'est ce que nous voulions montrer. Ici, c'est la seule diapo que je vous montrerai de l'étude que nous avons publiée. Nous avons eu l'occasion de regarder quels sont à partir des personnes hospitalisées à Los Angeles dans l'hôpital. En fait, on ne savait pas grand-chose. On savait juste que ces personnes étaient donc malades de la COVID. Ils étaient hospitalisés depuis l'hiver 2020. Il y avait beaucoup de papiers qui avaient déjà été publiés sur l'oméga 3, mais personne n'avait publié de données qui montraient en quoi l'oméga 3 était efficace. On avait créé le lien, mais on ne savait pas vraiment pourquoi. Et donc, on a regardé le taux d'oméga 3 sur ces patients. On a tout mesuré. Il y a 25 personnes dans chaque groupe et on les a répartis en quartiles. Et chaque quartile d'oméga 3, donc du plus fort au plus faible, a été analysé en lien avec le risque de mortalité à l'hôpital à cette époque-là. Et en fait, c'est au centre de ce tableau que vous avez les résultats les plus probants, quartile 1, quartile 2, quartile 3, 4. Ici, il y a sans doute un moindre risque de mortalité pour ceux qui sont dans le quartile 4, sauf pour le numéro 3, peut-être, parce que c'était celui qui contenait les personnes les plus âgées. Donc, évidemment, là, il y a d'autres facteurs qui se conjuguent. Mais vous voyez ici, donc ici pour les quartiles 1 à 3, il y a un écart considérable avec le quartile 4. Mais parce que c'était vraiment les personnes qui montraient les taux d'oméga 3 les plus élevés. Alors le risque ici a été évalué à 0,25, ce qui veut dire que les personnes qui se trouvent dans ces 5 à 7 % les plus supplémentées en oméga 3,
leur risque était vraiment considérablement plus bas que pour les autres. Et c'est pas simplement, enfin, c'est une étude pilote, hein, donc c'est pas vraiment significatif d'un point de vue statistique, mais tout de même, ça donne une bonne image. Mais cela nous dit aussi qu'il nous faudra encore bien plus de données scientifiques pour pouvoir proposer ici des résultats de recherche précis. C'est une étude pilote, une fois de plus, mais j'espère vraiment que nous aurons très rapidement l'opportunité d'en faire d'autres pour pouvoir confirmer les résultats. Mais en tout cas, voilà, plus d'oméga-3, moins de risque de mortalité. Pour en revenir au groupe qui a publié le graphique montrant les différentes régions dans le monde et l'apport en oméga-3, eh bien, ici, ça faisait partie de l'introduction à cette étude et au papier qui a été publié dans la revue Molécules cette année. Ici, il s'agit de suggérer que ce noble mécanisme qui permet à l'oméga-3 de peut-être réduire le risque d'infection et pas, pour, et pas simplement réduire la tempête des cytokines, donc la manière dont cela rentre dans nos cellules, ce mécanisme est en lien avec la protéine spike. On a vu évidemment où la couronne, en fait, c'est un virus à couronne, une protéine à couronne. Je crois qu'on a été abreuvé de ces images au cours des derniers mois dans tous les médias. Donc ici, on a une protéine, une spike protéine qui va se placer sur l'ACE2 qui est le récepteur de cette protéine S, et une fois qu'il y a eu liaison, eh bien elle est attirée à l'intérieur par ce créateur de lien et qui va l'attirer donc dans la cellule et qui va donc déclencher les cytokines pro-inflammatoires. Mais ce qui se passe à droite, là où il y a du vert, eh bien, nous avons ici avec une forte dose d'EPA, DHA, donc d'oméga 3. Mais ça, c'est une hypothèse. Hein, attention, ici, ça soutient l'idée que si vous avez de forts taux de DHA dans le sang, le DHA va interférer, va se lier avec la protéine spike et va permettre de repousser le virus à l'extérieur de la cellule, puisque la protéine, elle est placée autour du virus, en couronne autour du virus. Donc voilà ce qui permettrait, d'après nos études, de limiter l'inflammation par le virus ou l'entrée dans la cellule. Donc, avec des niveaux DHA plus élevés, la protéine spike n'est plus dans un état qui lui permette d'être absorbée et de provoquer une inflammation. Donc, ça, c'est ce qui pourrait permettre de dire que l'oméga 3 permet de réduire l'infection grâce à grâce aux écosanoïdes, entre autres. Voilà, ça c'est une idée relativement récente, c'est un petit peu nouveau encore et il nous faudra encore un petit peu plus de recherche. Maintenant, ça c'est une étude qui a été, alors on va quitter la COVID, et c'est une étude qui a été publiée récemment. Ici, c'est le lien entre la mort prématurée et les oméga-3. Ici, c'est une étude qui nous met en évidence, enfin c'est une méta-analyse, hein, vous voyez le nombre de personnes qui ont participé à ces études, et en fait ce sont des données qui nous proviennent de 17 études différentes pour voir de quelle manière ces taux donc d'oméga-3 peuvent réduire le risque de mort prématurée. Quand on dit prématuré ou précoce, cela veut dire des personnes qui meurent plus tôt que ce qui était prévu, on va dire.
dans leur schéma de vie et en fonction des différentes données que nous connaissons. Alors, on a inclus environ 42 466 personnes dans 17 études qui ont été menées dans 10 pays différents. L'âge moyen est de 64 ans, avec moitié homme, moitié femme. Ici, les taux d'oméga 3 dans le sang ont été mesurés chez tous ces individus au début de l'étude, ou des études, on pourrait dire. Cette étude a ensuite été... Ensuite, on a recruté pour l'étude de suivi un groupe de personnes qui présentent des caractéristiques différentes et on va les suivre pendant très très longtemps pour voir qui va tomber malade de quoi d'une certaine manière et surtout qui va mourir de quoi tout en continuant à mesurer les oméga 3 et les biomarqueurs différents. Alors pendant 16 ans, hein, le suivi. En moyenne, donc, ces personnes ont été suivies, on va dire, entre 5 et 32 ans, ce qui donne donc cette moyenne de 16 ans. Les personnes étaient âgées donc de 64 à 80 ans. Alors bien sûr, si vous continuez l'étude, hein, tout le monde va mourir. Hein, ça semble un petit peu évident. Et donc d'où l'idée de quand même de faire un choix sur les personnes qui ont été suivies pour pouvoir vraiment mettre en évidence la mort prématurée. Les personnes qui sont mortes, 15 720 en tout, eh bien 30% sont mortes d'un cancer, 39% sont mortes d'autres causes et 30% de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est un petit peu dense comme illustration. Ici, à gauche, ce sont les 17 études qui ont été impliquées avec les mesures d'oméga 3 dans le sang, soit dans les cellules sanguines, soit dans le plasma. Ici, on a cherché donc... Ici, on a calculé le risque de mortalité pour toutes les causes et on s'est rendu compte que d'ailleurs, ce risque de mort, quelle qu'en soit la cause, était de 13% moins élevé pour les personnes qui montraient les taux de EPA, DHA, donc d'oméga 3 les plus élevés. Et ça, c'est le résultat principal qu'il faut retenir de ce graphique un petit peu complexe. Ces analyses ont été, en fait, on a aussi mesuré donc toutes les autres causes de mortalité, mais qui n'ont pas d'incidence sur notre résultat. Ici, sur ce graphique, cela vous donne à peu près le même résultat. On a les pourcentages à gauche en dixième des 45 000 personnes étudiées. Et ceux qui sont donc décédés. Et pour pouvoir calculer le pourcentage de risque, eh bien, vous comparez cela avec l'indice oméga en bas et le percentile qui va avec. Alors ici, le pourcentage donc, qui est associé à 90 percentiles vous donne le risque... vous donne le taux de mortalité. Donc évidemment, plus le taux, l'indice, une fois de plus, d'oméga 3 est élevé, plus le risque de mort est bas. Ici, une méta-analyse prospective. Ici, vous avez quatre blocs de cinq colonnes. Ici, il y a la totalité, toutes les mortalités, enfin les causes de mortalité, et chaque colonne représente 20% de la population qui a été étudiée. Et
En bleu, vous avez le taux d'oméga le plus élevé, à droite, la colonne d'oméga 3 la moins élevée, et vous voyez à chaque fois les résultats, quelle que soit la cause de mortalité, les maladies cardiovasculaires, le cancer, autres, et puis toutes causes mélangées, c'est le premier bloc. Et c'est donc pas simplement une idée qui tourne autour des maladies cardiovasculaires et qu'il est bon de prendre de l'oméga 3 pour diminuer ce risque-là. C'est vraiment vrai pour toutes les maladies et les causes de mortalité, quelles qu'elles soient, comme vous pouvez le voir ici. Et ça joue un rôle très important partout dans le monde, hein. Ce n'est pas juste dans une contrée spécifique. Alors, pour conclure, plus vous avez d'oméga 3, EPA ou DHA, plus vous avez également de propriétés anti-inflammatoires, plus vos niveaux sanguins de EPA et DHA sont élevés, et bien plus vous diminuez le risque de mortalité due à des infections de détresse respiratoire aiguë. De Covid, mais enfin ça reste encore, on n'en a pas encore fini, de maladies cardiovasculaires, de cancer et autres causes combinées. Donc s'il vous plaît, faites en sorte d'avoir un taux d'oméga 3 élevé dans votre sang. C'est la stratégie pour pouvoir avoir une longue vie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Dr Harris, bravo pour cette intervention. Vous avez présenté un panorama impressionnant de résultats d'études qui achèvent de nouveau convaincre de l'intérêt de la nutrition et de l'alimentation pour la santé humaine. J'aime bien votre approche qui est aussi, enfin vous nous présentez des résultats d'études, mais on pense forcément, excusez-moi, à de la prévention passive, à des enjeux de santé publique, l'alimentation, nutrition fait sens. J'aime aussi beaucoup, et quelque chose qui nous fait écho à nous, Bleu Blanc-Cœur, parce que ça fait 20 ans qu'on construit, je disais, cette démarche Bleu Blanc-Cœur dans une double logique d'obligation de moyens et d'obligation de résultats. On mesure les équilibres nutritionnels dans les produits alimentaires qu'on propose dans l'assiette du consommateur. Et vous allez plus loin en proposant une mesure de l'index oméga 3 chez le consommateur, chez l'humain. Ça donne très envie de poursuivre les travaux avec vous et puis de confirmer que ce qui démarre très en amont des chaînes alimentaires, bon, on le mesure et on en bénéficie à l'échelle du consommateur. Et vraiment, ce sujet de la mesure et des résultats nous fait vraiment écho. Merci beaucoup. Et oui, tout à fait, Nathalie. C'est une séquence très complète. Merci encore à nos deux intervenants, Philippe Calder et professeur Harris. On vous retrouvera tout à l'heure pour la session de questions-réponses. Mais pour le moment, eh bien, nous passons à la deuxième séquence, alimentation barrière. Et nous allons passer au côté pratique, Nathalie. On l'a bien compris, notre alimentation est notre première médecine. Mais comment s'y prendre? Alors nous allons faire appel à un spécialiste, Jean-Michel Lecerre. Vous êtes avec nous et vous êtes chef du service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Vous allez nous expliquer le principe de ce que nous aimons appeler l'alimentation barrière. Il s'agit de comprendre comment, quels nutriments et à quelle dose notre alimentation agit sur notre immunité et notre santé. Voilà, bonjour. Y a-t-il une place pour une alimentation barrière contre la Covid-19? C'est une question que l'on est en droit de se poser, surtout après tous les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Et on va essayer d'apporter quelques éléments complémentaires à cette question et donc d'avoir quelques éléments de réponse sur ce qu'on appelle une alimentation barrière, après tous les gestes barrières dont on a été abreuvé pendant une année. C'est un concept qui est important et qui naît de cette notion que nous avons depuis de nombreuses années maintenant, que notre immunité est sous la dépendance de multiples facteurs, des facteurs innés bien entendu, mais aussi des facteurs acquis, et notamment liés au mode de vie. De façon très large, et on les envisagera les uns après les autres, quelques-uns ici pour essayer de faire un petit peu une vue d'ensemble, d'avoir une vue d'ensemble. D'abord, tout ce qui concerne la nutrition, c'est l'élément clé de notre entretien. Mais en termes de nutrition, il y a ce qu'on appelle la malnutrition, qui peut être à la fois un excès et conduire à la prise de poids, mais aussi une insuffisance. Dans les deux cas, c'est une malnutrition. Donc,
excès, insuffisance, mode de vie avec la sédentarité, donc l'activité physique qui peut aussi contribuer à la prise de poids. Et puis, la prise de poids est aussi dépendante de facteurs aussi éclectiques que le stress, que les modes de vie et notamment les rythmes de vie, le sommeil, le déficit de sommeil. Et aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains sont soumis à ce stress, à ces problèmes de rythme de vie, de déficit de sommeil, d'inactivité. Tout ceci peut modifier de façon forte notre microbiote, on en parlera, et est un facteur d'altération de l'immunité. Alors, bien sûr, tout ceci reste un petit peu théorique, mais en réalité, comment est-ce qu'on peut avancer pour voir quelle est la part que peut prendre notre mode de vie dans nos défenses vis-à-vis de la COVID-19. Alors, on va commencer par un petit focus sur la dénutrition, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important, qui peut être lié à la sous-nutrition, c'est-à-dire des insuffisances alimentaires, elles-mêmes liées à la pauvreté, l'ignorance, les conditions socio-économiques. Et il est certain qu'on est inégaux par rapport à ces conditions les uns les autres. Cette sous-nutrition, tout le monde n'en est pas victime, mais aujourd'hui, beaucoup sont quand même atteints, soit pour les raisons que je viens d'évoquer, socio-économiques, soit pour diverses raisons, des régimes, des restrictions, de la maladie, de l'anorexie, des régimes pour excès de poids, des maladies plus spécifiques, et puis tout simplement le vieillissement ou des troubles psychologiques. Eh bien, la dénutrition, on le sait depuis très longtemps, est un facteur de diminution des défenses immunitaires, puisque celles-ci sont liées notamment à nos anticorps, qui sont en fait des protéines, et les protéines, eh bien, sont sensibles à l'état nutritionnel. Donc voilà de quoi, bien sûr, alimenter cette diminution des défenses immunitaires. À l'inverse, on le sait, l'obésité a payé un lourd tribut à la COVID-19 pour des tas de raisons. Et d'abord, elle peut être associée à une malnutrition, comme on le disait tout à l'heure, malnutrition, mal, donc trop peu, les deux, voilà, conduire à l'obésité, mais aussi parce qu'on est gros, trop gros, entre guillemets, on va suivre des régimes restrictifs. Et puis, il ne faut pas oublier que l'obésité, c'est une maladie avec un tissu adipeux qui est malade, avec l'apparition d'une composante inflammatoire, des cellules pro- et anti-inflammatoires qui s'installent, un déséquilibre qui s'installe, des cytokines pro-inflammatoires qui sont produites, et tout ceci peut rendre compte de ce qu'on appelle l'aura cytokinique, qui est vraiment, j'allais dire, la forme la plus spectaculaire de la gravité de la COVID-19. On rajoute à cela des éléments de dysbiose, sur lesquels on reviendra. Dysbiose, c'est des déséquilibres du microbiote intestinal associés à des troubles de la perméabilité. Et tout ceci, eh bien, est observé dans le contexte de l'obésité, et on sait à quel point cette épidémie s'est superposée à l'épidémie de la COVID-19, l'épidémie d'obésité, qui touche quand même, en tout cas en France, un nombre important de personnes, aux alentours de 15%, 15 à 20% de la population adulte, selon les régions. Alors, si on résume ce que nous allons voir maintenant sur le plan non plus du mode de vie, mais de l'alimentation, de la nutrition, eh bien, on va développer, de façon relativement brève, des choses qui ont déjà été dites, sur lesquelles je ne m'étendrai pas trop, les oméga-3, j'en dirai un mot, mais aussi d'autres facteurs nutritionnels extrêmement importants, la vitamine D, et différents nutriments ou constituants de notre alimentation qui peuvent jouer sur l'immunité, sur l'inflammation. L'immunité, l'inflammation, deux étapes de la COVID-19 qui peuvent agir à des stades différents de la maladie, soit au stade initial, soit au stade des complications. Alors, on trouve un certain intérêt à faire une espèce d'énumération des nutriments candidats, et beaucoup se sont prêtés à ce jeu dans de nombreuses publications à énumérer ici du côté des produits animaux le fer, le zinc, le sélénium, là du côté des produits végétaux la vitamine B9, la vitamine C, qui sont, on le sait, impliqués dans l'immunité, et on le sait parce que quand il y a un déficit, eh bien, il y a des troubles de l'immunité et une plus grande sensibilité aux infections notamment, qui peuvent survenir, et des complications. Tout ceci est bien classique, mais il faut reconnaître que ça s'observe surtout dans le cas des grands déficits.
qui ne sont pas quand même observés dans la majorité de la population. Mais il y a peut-être aussi d'autres candidats qui sont à citer. Les protéines, j'en ai déjà parlé, notamment pour leur rôle dans la synthèse protéique des anticorps, les immunoglobulines, qui sont les anticorps. Et puis, provenant du monde animal, du monde végétal, également, non seulement les protéines, c'est pour ça que j'ai indiqué mixte, des vitamines, comme la vitamine E et la vitamine D, qui ont une origine mixte. Les acides gras, alors oméga 3, oméga 6, un équilibre très délicat entre les deux, d'origine animale, d'origine végétale. Puis, il est bon aussi de les mettre, bien sûr, du côté animal, mais avec une connotation très particulière, les produits fermentés, notamment les produits laitiers fermentés, qui sont source de probiotiques si importants pour le microbiote, de même que ce microbiote est entretenu par des prébiotiques, qui sont des fibres alimentaires ou des polyphénols d'origine végétale. Vous voyez le nombre de nutriments candidats, mais ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on est admis aux examens, et donc il va falloir voir qui peut vraiment être candidat admis. Alors la vitamine D est très intéressante, elle a fait l'objet de beaucoup d'études, il y a même eu des collectifs de médecins qui ont essayé de défendre sa cause à juste titre. D'abord parce qu'il existe des études, on supplémente des animaux qui sont Covid+, et les animaux supplémentés font des formes moins graves. C'est quand même un argument important. Et puis après, il y a eu plein d'études d'observation avec chez l'homme, les sujets qui sont Covid+, ont plus souvent une vitamine D qui est basse. Les sujets qui ont des taux plasmatiques de vitamine D plus bas font une Covid plus grave. Les sujets qui font une Covid grave ont plus souvent une vitamine D basse. Et les sujets supplémentés font souvent une Covid moins grave. Alors, quand je dis souvent, c'est un résumé, hein, bien sûr, il faut regarder ça de plus près, on a publié des choses. Le problème, c'est qu'on manque encore d'études randomisées en double aveugle pour être sûr qu'il ne s'agit pas, non pas de coïncidence, mais du fait que des sujets qui seraient par ailleurs en moins bonne santé nutritionnelle pourraient faire une forme plus grave, et ce serait sans doute pas la cause, mais simplement une association, comme on le dit dans le jargon des scientifiques. Alors la vitamine D, très brièvement pour ceux qui ne la connaissent pas bien, ce n'est pas qu'une vitamine, c'est une hormone qui allume un nombre considérable de gènes. 3% de nos gènes sont modulés par la 25-OHG3. Après, ça se lie à un récepteur qu'on trouve sur la quasi-totalité des tissus. Il n'est pas du tout étonnant qu'elle puisse être impliquée dans un grand, grand nombre d'activités biologiques. C'est un argument parmi d'autres, il y en a d'autres, en particulier le fait qu'il y a un lien entre le récepteur au SARS-CoV qui est présent donc sur le virus et la vitamine D. Donc la vitamine D, c'est une vitamine extrêmement importante, mais ce n'est pas qu'une vitamine, c'est aussi une hormone. Elle est en fait apportée par notre alimentation, mais elle est aussi fabriquée dans l'organisme, et ça c'est quelque chose qui est très 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 important. Elle est fabriquée au niveau de la peau, cette synthèse cutanée représente 70% du statut de l'organisme en vitamine D, le reste vient de l'alimentation, 30%, l'essentiel des produits animaux, surtout les poissons gras, les produits laitiers gras pour une autre part plus faible, et puis les champignons d'origine végétale, donc une petite part. Et tout ceci va ensuite arriver au niveau du foie, être transformé en forme active, et c'est là où elle va agir dans les tissus. La question de savoir, brièvement, pourquoi il y a des déficits, eh bien, pour des tas de raisons qui sont liées à nos modes de vie, on ne mange pas assez des aliments qui en fournissent, mais surtout pas assez de synthèse cutanée, parce qu'on n'est pas assez extérieur, parce qu'il y a la pollution, parce qu'on a la peau foncée, parce qu'on met des crèmes solaires, parce qu'il y a toute une série d'obstacles à la synthèse cutanée, qui sont résumés ici et qui expliquent que la population européenne notamment, mais pas que, a des taux qui sont insuffisants. Donc la vitamine D est un bon candidat, mais on manque encore d'éléments pour en avoir la preuve définitive. Alors, pour être plus concret et avancer sur cette démonstration, dans notre mode de vie, dans notre alimentation, on a mille raisons d'avoir des éléments qui sont défavorables sur le plan des facteurs influençant notre immunité, notamment les facteurs nutritionnels. J'ai déjà dit
je les ai mis ici un peu en vrac, trop sédentaires, horaire décalé, pas assez de soleil, on vient de le voir, pas de légumes et de fruits en quantité suffisante, des aliments appauvris, pas d'aliments fermentés, du pain blanc, toutes sortes de choses, pas de poisson gras, trop de viande. Alors, voyons un petit peu des régimes de plus près. Et notamment, quelque chose qui mérite un éclairage fort avant qu'on puisse arriver à quelques éléments de conclusion. Le microbiote, alors c'est pas parce qu'il est à la mode qu'il faut en parler, c'est parce que c'est une réalité qui a fait l'objet d'études que je ne vais pas pouvoir détailler, mais qui suggère assez fort que quand le microbiote est déséquilibré, la dysbiose, eh bien c'est une porte d'entrée pour des infections bactériennes, et donc pour les complications de la COVID-19, mais peut-être aussi pour les infections virales, et donc la COVID-19. Donc sans doute un double mouvement. Le microbiote, c'est 100 000 milliards de bactéries, 400 mètres carrés de surface intestinale au contact de ces bactéries, 100 millions de neurones, et puis surtout, c'est 60% des cellules immunitaires de notre organisme, donc assez colossal, et on ne peut pas l'ignorer quand on travaille sur l'immunité, parce qu'il est vraiment une concentration du tissu immunitaire, des tissus immunitaires, et ça c'est connu depuis maintenant une vingtaine d'années au moins. Alors ce microbiote, on l'a tous, il est variable pour les uns et les autres, mais il est très fortement modulé par des facteurs qui interviennent dès le début de notre existence, et il est probable que son rôle dans l'état de santé soit plus important qu'on l'imaginait il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans. Ça va très 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 vite parce que il agit vraiment à de multiples niveaux. Et les facteurs qui l'influent sont résumés ici, le mode d'accouchement, césarienne, accouchement par voie basse, mode d'allaitement, allaitement maternel, allaitement artificiel. Et bien sûr, vous imaginez bien que c'est l'allaitement naturel et puis l'accouchement par voie basse qui sont favorables. Et puis toute une série d'événements que j'ai résumés ici, antibiotiques, gastro-entérite infantile ou adulte, fibres, diversité alimentaire, et on a déjà cité rythme, stress, tabac, additifs, sel, probiotiques, tout ceci joue sur la qualité de nos microbiotes. Alors un exemple, chez l'animal, par exemple à propos de l'alimentation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, des milliers d'études, ici chez l'animal, des animaux qui suivent un régime cafétéria, c'est-à-dire ce qu'on trouve aujourd'hui dans certaines restaurations rapides, je ne vais pas faire leur procès, parce qu'ils ne sont pas tous égaux, beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, pas beaucoup de fibres, eh bien le microbiote est altéré, des modifications importantes des bactéries protectrices surviennent, et puis des facteurs d'inflammation qui apparaissent dans l'organisme avec ce qu'on appelle l'endotoxinémie, qui est un élément très important. Et donc aujourd'hui, pour résumer le rôle du microbiote, qui est très 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 important, il y a deux clés. Il y a premièrement la diversité microbienne, qui dépend de tout ce que je viens d'évoquer, l'alimentation, les facteurs périnataux, les xénobiotiques, les antibiotiques, mais aussi l'âge, le vieillissement, qui est un facteur d'altération de la diversité microbienne. Mais à côté de ça aussi, un intestin qui est altéré parce qu'il y a une dysbiose, mais aussi pour d'autres raisons, et qui va laisser passer, en fait, un certain nombre d'éléments étrangers, que ce soit des substances ou des bactéries ou des virus. Et là, on cite en vrac à nouveau le stress, certains perturbateurs, l'alcool, le surpoids, qui modifient la perméabilité intestinale. L'intestin devient poreux et donc il laisse passer ce qui était jusqu'ici non passable. La barrière intestinale s'altère. Et donc, pour résumer, si vous voulez, il y a les deux éléments, la dysbiose et la perméabilité. Une dysbiose et une hyperperméabilité, c'est perte de l'effet barrière. Prolifération, parce qu'il y a un déséquilibre de bactéries pathogènes, on a tous des bactéries pathogènes, mais si le microbiote est bien équilibré, elles n'ont pas d'effet. Altération de l'immunité, parce qu'il y a énormément de facteurs qui sont sous la dépendance de ce fameux tissu immunitaire intestinal, et puis inflammation. Et on comprend bien qu'il y a un grand potentiel à ce niveau-là. Les recherches avancent, les travaux de preuve sont encore insuffisants, mais manifestement, on y arrive. Donc, pour résumer, vous voyez une barrière là. La perméabilité intestinale, c'est un tissu qui devient, une muqueuse qui devient poreuse. La dysbiose à gauche
et puis le passage de toute une série de molécules, par exemple des endotoxines qu'on appelle LPS, qui vont stimuler la production de cytokines inflammatoires et conduire à des maladies, pas que, bien sûr, la COVID-19, beaucoup d'autres maladies. C'est sans doute un élément dans notre fragilité vis-à-vis de la COVID-19 et l'inégalité des uns par rapport aux autres, on le sait. Et donc, pour résumer tout ce qui a été vu, tout ce qui a été vu par d'autres, que je n'ai pas pu développer, bien sûr, les acides gras, c'est extrêmement important, et là, on a quand même des données relativement fortes pour penser que ça joue un rôle dans la COVID-19, le microbiote, la vitamine D, une forte suspicion mais pas de certitude, le statut nutritionnel, c'est-à-dire dénutri ou surnutri, pardon, obésité, les micronutriments, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement, j'ai pas eu le temps de faire un développé exhaustif, et puis probablement deux niveaux d'intervention, peut-être très en amont au niveau de la prévention, le fait de la contamination, est-ce que l'immunité n'est pas quelque chose qui pourrait être modulé par des facteurs nutritionnels au sens très large qu'on a évoqué. Et puis, la sévérité de la maladie, c'est aussi important. L'inflammation, l'aura cytokinique, et là, probablement, des facteurs nutritionnels à nouveau, le microbiote, les acides gras. J'ai envie de dire qu'il aurait fallu mettre l'alimentation barrière avant les gestes barrières. Et c'est donc un concept d'avenir, bien entendu. Et pour la prochaine épidémie, si elle arrive, il faudra qu'on mette vraiment l'alimentation au premier plan parce qu'elle joue sans doute un rôle non négligeable. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, notre conviction qui est il faut continuer à travailler sur cette question. Il ne faut pas négliger l'alimentation qui peut jouer un rôle barrière. Alors, en guise de conclusion, ce que je dirais, c'est que le statut nutritionnel intervient dans l'immunité. Il y a des années que les nutritionnistes et les chercheurs le savent. Le mode de vie et l'alimentation ont des rôles majeurs dans l'état de santé et dans l'immunité. Ça, bien sûr, au sens large. Il ne faut donc pas les négliger dans la prévention de la contamination. Le discours a été absent, malheureusement, sur ces questions-là. En tout cas, on ne l'a pas beaucoup entendu, même si des scientifiques se sont exprimés. Et peut-être dans la gravité de la maladie, bien sûr, il faut rester modeste et prudent. Bien sûr, la nutrition ne suffit pas. On ne va pas empêcher complètement une épidémie, mais elle peut jouer un rôle plus important qu'il ne l'a été supposé jusqu'ici. Voilà donc ce que je voulais vous dire cet après-midi sur ce sujet important. Merci professeur Le Cerf pour cet exposé très clair qui ouvre, je dirais, le champ des connaissances autour de nouvelles données scientifiques. Vous nous avez parlé du microbiote, quelque chose de nouveau, on vit en interaction avec ce microbiote. Je crois que vous avez parlé de 100 000 milliards de bactéries qui vivent en nous et qu'il faut nourrir ou veiller, enfin en tout cas surveiller et il faut en prendre soin. Donc ce microbiote, c'est très intéressant. Vous nous dites que bien sûr l'alimentation, la nutrition doit faire partie de la réponse holistique sur les problématiques de santé qu'on traverse actuellement. Ce n'est pas la solution unique, mais il faut l'intégrer. Et ça fait sens sur cette notion d'alimentation barrière qu'on veut porter, expliquer. Vous avez beaucoup parlé de barrière intestinale, de nutriments, d'alimentation. Et en l'occurrence, merci beaucoup parce que c'est très inspirant pour les années de recherche à venir qui seront portées aussi au sein du collectif Bleu Blanc Cœur. Et oui, merci beaucoup. Et nous allons maintenant parler de la chaîne alimentaire. Cette chaîne alimentaire, eh bien, c'est Pierre Veil qui va intervenir. Alors, il ne va pas venir sur ce plateau. Il est, pour le coup, dans ce bureau. Et il va nous expliquer, au regard des nombreuses personnes qui assistent à ce symposium, il y a à la fois des agriculteurs, à la fois des acteurs de filières agroalimentaires, distributeurs, restaurateurs, professionnels de santé. Et vous allez nous expliquer, là vous nous rejoignez d'ailleurs, comment agir et mettre en place des filières vertueuses allant dans le sens des objectifs de santé ciblés et présentés jusqu'ici, Pierre. Très bien, eh bien merci, je vais y aller, donc si je peux avoir mes premières diapos. Voilà, donc j'ai essayé de vous mettre ce que j'avais retenu des interventions précédentes. Philippe Calder nous a expliqué, je crois que la phrase était très jolie, que l'immunité se nourrit d'énergie et de nutriments indispensables. Il l'explique très bien dans ses différents articles, et c'est éveillant. C'est-à-dire qu'il faut nourrir l'immunité, il faut la nourrir d'énergie, il faut aussi la nourrir de tous les nutriments nécessaires aux synthèses
indispensable aux leucocytes, à toutes les cellules, à tous les combattants de l'immunité. William Harris nous a beaucoup parlé de l'inflammation et de la régulation de l'équilibre de l'inflammation, promotion, résolution. Philippe Calder aussi, d'ailleurs, au travers de l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. La vitamine D, nous a dit Jean-Michel Le Cerf, participe au mécanisme de l'immunité. Le microbiote, nous a-t-il dit, participe aussi à la régulation de l'immunité et de l'inflammation. Et donc notre capacité à lutter contre les agressions virales, si je résume tout ça, et pas que virales, dépend de ses apports et de ses équilibres. Mais, diapo suivante, ces équilibres dépendent de la composition de notre assiette, mais pas seulement, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans la diapo suivante. Donc, on avait posé une hypothèse, nous, au tout début de la crise Covid, puisqu'on avait écrit un article avec nos amis Philippe Legrand, Ronan Thibault, Vincent Rioux de l'INSERM, qui posait une hypothèse, est-ce que une supplémentation en acides gras oméga-3 peut réduire les complications liées au Covid? Donc ça a été écrit fin de printemps d'été 2020, et on posait une hypothèse que je ne vais pas vous expliquer en termes biochimiques, ça a été fait en détail par Philippe Calder et William Harris, pas au travers des médiateurs cellulaires, etc., mais au travers de la chaîne alimentaire, parce qu'on a vu dans les interventions précédentes que l'équilibre entre oméga 6 et oméga 3 était aussi un équilibre entre promotion et résolution de l'inflammation. Alors ces oméga 6 et ces oméga 3, on ne les fabrique pas. Ils sont fabriqués d'abord par les végétaux, synthèse de base pour les acides gras essentiels et indispensables des deux familles, et ensuite allongés, désaturés dans le règne animal, et ils arrivent dans nos assiettes en fonction de ce qu'on produit les sols et de ce qu'ont mangé les animaux. Et du coup, ma présentation tournera autour de ça. Est-ce que la prévention santé peut être aussi une histoire de chaîne alimentaire, de cette One Health, de cette santé unique qu'on a portée sur les fonts baptismaux depuis une vingtaine d'années? Diapo suivante. Ça, c'est une membrane cellulaire avec une loupe qui vous permet de regarder à l'intérieur les acides gras, soit oméga 6, soit oméga 3. Le professeur Harris nous a dit que l'index oméga 3, selon les populations, les pays ou les régimes que font les gens, ça va de 2% d'oméga 3 dans une membrane à 14%. Ça fait des grosses différences. Surtout que l'index oméga 3, donc la quantité d'EPA et de DHA dans les membranes des globules rouges, il nous a indiqué une zone verte qui était entre à partir de 7 jusqu'à 12% et une zone rouge qui est en dessous de 4%. Donc quand on est à 2% d'oméga 3 dans ces membranes, dans cette membrane cellulaire, ou quand on est à 14%, on n'aura pas la même capacité à résoudre l'inflammation et avoir un bon équilibre entre promotion et résolution. Diapo suivante. Alors, on va se poser cette question, combien d'oméga 3 coule dans nos veines? En France, on n'a pas énormément de données. Alors on a essayé j'ai essayé de vous en présenter quelques-unes, Mathieu. Ça, c'est une étude qui s'appelle l'étude Calypso, qui a été conduite par l'ANSES pour voir quelles étaient les opportunités et risques, comme ils disent, d'une consommation de poissons. Et ça nous permet d'avoir dans 4 ports de pêche, qui sont Toulon, Lorient, Le Havre et La Rochelle, 4 ports de pêche français, dans une population qui estime qu'elle consomme beaucoup de poissons, 1,2 g d'EPA et de DHA par jour, c'est plus que 2 fois les apports nutritionnels recommandés. Et quelle est la composition du sang? Il y a une centaine de personnes par ville. Eh bien, rappelez-vous, cet index oméga 3 qui va de 4 pour la zone à risque jusqu'à 8 pour la zone plutôt confortable, dirons-nous. Mais on est à 3,9 à Toulon, à 4,4 à Lorient, 5 au Havre, 5,8 à La Rochelle. C'est en dessous de ce qu'on attendait pour des consommations de ce type-là. Probablement parce que les consommations estimées, et souvent dans les enquêtes alimentaires, on part de consommations estimées, ce qui est déjà un premier biais, et on prend des bases de données de composition qui ne sont pas toujours justes et qui peuvent évoluer d'un poisson à l'autre, d'une espèce de poisson à l'autre. Ensuite, diapo suivante, Bleu Blanc-Cœur avait démarré à sortie d'une étude clinique qui a plus de 20 ans maintenant, puisqu'on l'avait commencé en 99, au siècle dernier, et on avait pris deux groupes de population, deux groupes de volontaires, pardon, donc c'était à Rennes. On avait demandé aux gens de ne manger ni poisson ni huile de colza,
et on leur avait donné exactement les mêmes menus, même quantité de produits animaux, œufs, beurre, viande, et les animaux, eux, n'étaient pas nourris de la même façon. Donc les régimes de l'homme étaient les mêmes, mais les régimes des animaux n'étaient pas les mêmes. Donc c'était un début d'approche de chaîne alimentaire, et on avait été, on peut dire, surpris de voir qu'au bout de 35 jours seulement, on avait changé significativement la composition des membranes des volontaires du groupe essai par rapport au groupe témoin, et que sans poisson, sans colza, on avait une différence au bout de 35 jours dans un protocole en crossover, 5,2 d'index oméga 3, EPA plus DHA des globules rouges dans le groupe témoin contre 5,7 dans le groupe essai. Ensuite, suivant, à Lorient, on avait fait quelques années plus tard une étude, mais là dans une population de volontaires, mais de volontaires obèses. Et ces volontaires obèses, ils avaient on leur a pareil demandé de ne pas manger de poisson ni de colza pendant 90 jours, et ils avaient au départ un index, une quantité d'oméga 3 très basse, 3%, c'est assez peu, et on avait réussi à monter à 3,5% tout en supprimant poisson et colza. Diapo suivante. Donc ces données-là, c'est des données françaises. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'on a des données? Alors là, j'ai mis une diapo avec différents pays. Et dans ces différents pays, quand j'ai mis sur fond jaune, c'est qu'il y a des études qui ont été faites pour connaître le taux d'oméga 3 de population normale, on va dire sans pathologie particulière. Après, quand c'est pas coloré en jaune, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, qui ont mesuré des taux d'oméga 3 EPA plus DHA dans les globules rouges, mais dans des populations particulières, des étudiants avec des problèmes de cognition, des gens qui ont des diabétiques, des gens qui ont des problèmes psychiatriques, etc., pour comparer les uns aux autres. Mais on a quand même une échelle qui va de 12 en Corée à 3,6 en République tchèque, où ça a été fait zone urbaine, zone rurale, de façon très propre. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, entre 4 et 8 dans l'essentiel des pays occidentaux, avec l'exception japonaise, coréenne, avec 9,6 et 12 dans ces pays-là, très élevés. Si je mets en face, diapo suivante, si je mets en face la mortalité Covid, j'obtiens quelque chose qui semble très, très parlant, sauf que ça ne veut rien dire, c'est juste un tableau Excel. Il y a énormément de biais, il y a des pays qui ont adopté très vite des gestes barrières, il y en a d'autres qui n'ont pas adopté du tout. Il y a des pays où le virus est arrivé tôt, il y a des pays où la densité de population au Japon et au Canada n'est pas vraiment la même, etc. etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Par contre, suivant, il y a des données maintenant, et ça a été montré tout à l'heure aussi dans la présentation de William Harris. Maintenant, il y a des données épidémiologiques, donc des gens qui savent corriger les biais, ce que je ne fais pas ici, qui savent corriger les biais et qui sortent les courbes que vous a montré William Harris tout à l'heure, qui sont des courbes construites sur des consommations d'oméga-3, pas sur des quantités d'oméga-3 dans le sang, comme j'essaye de le faire là. Donc encore une fois, ça permet de poser une hypothèse, de poser des questions, de se dire peut-être qu'il y a quelque chose, et la vérification viendra des études épidémiologiques, et puis il y a quand même entre 10 et 20 études cliniques d'intervention dans le monde avec des oméga-3 sur des patients Covid dont les résultats commencent à tomber et qui sont intéressants. Suivant. Alors nous, on a fait à Bleu-Blanc-Cœur ces derniers mois, on a fait une étude qu'on appelait coup de sonde, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens à la fois de remplir un questionnaire des volontaires pas du tout représentatifs de la population française. C'est des gens qui mangent tous Bleu-Blanc-Cœur, mais on leur demandait évidemment pas tous de la même façon. Il y en a qui sont retraités, qui prennent tout leur repas à la maison, il y en a qui travaillent, qui prennent la moitié des repas à l'extérieur. Il y en a qui mangent beaucoup de poissons, il y en a qui mangent de la linette, des farines, des graines de lin ou de chia au petit déjeuner, d'autres non, etc. Donc on leur a demandé de remplir un questionnaire alimentaire et on leur a demandé de faire leur prélèvement pour avoir l'index oméga, la quantité d'oméga 3 qu'ils avaient dans le sang, pour essayer de sortir des relations, ou au moins des hypothèses de relations de cause à effet entre la façon dont on mange, ce qu'on mange, et la quantité d'oméga-3 qu'on a dans le sang. On a confronté ça à la littérature scientifique qui existe sur le sujet dans différents pays. Et alors on peut se dire d'abord que Bleu-Blanc-Cœur, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Dans la trousse à outils de l'amélioration nutritionnelle, Bleu-Blanc-Cœur a tout à fait sa place, mais il peut pas avoir sa place tout seul. Je pense que tout ce qui a été évoqué dans les interventions précédentes met le doigt sur la nutrition, et la nutrition, c'est pas de la pharmacologie. C'est-à-dire que chaque petite chose qu'on fait bien, ça améliore, on a des choses
Et c'est une somme de petites choses qui vont faire des grandes choses, c'est-à-dire qui vont faire un état de santé. C'est une somme d'équilibre, d'apport de nutriments variés, etc. Et on se rend compte que les femmes ont plus d'oméga-3 que les hommes, même comme c'est des couples et qui mangent la même chose, ce qui est tout à fait cohérent avec la littérature. Les femmes font beaucoup de choses mieux que nous, entre autres d'allonger, de désaturer les acides gras polyinsaturés. Ça, c'est une surprise, mais dans la littérature scientifique, les personnes âgées ont plus d'oméga-3 que les jeunes, ou que les adolescents ou les jeunes adultes. Peut-être que les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes, parce qu'il n'y a pas de raison physiologique. Évidemment, la fréquence de repas de poisson, entre une fois par mois ou trois fois par semaine, on ne va pas avoir le même taux d'oméga-3 dans le sang. Pareil pour la fréquence de consommation de produits bleu-blanc-cœur. Ce qu'on avait vu dès la première étude, puisqu'on avait un groupe, dit half-dose group, où on mimait en fait les gens qui prenaient leur repas à l'extérieur. Il y a une relation aussi négative, une corrélation négative dans la littérature et chez nous avec l'indice de masse corporelle. Plus les gens vont vers l'obésité, plus la quantité d'oméga-3 baisse. Alors cause, conséquence, œuf ou la poule, on ne sait pas, mais enfin c'est une observation. Et pareil pour les fumeurs qui ont moins d'oméga-3 que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que leurs habitudes alimentaires sont moins bonnes aussi, comme les jeunes adultes. Mais en tout cas, on voit des facteurs de variation. Et quand on voit des facteurs de variation, on voit des facteurs d'amélioration. Et donc, encore une fois, il faut des outils dans la trousse à outils. Tout à l'heure, Nathalie évoquait la diversité des gens qui sont présents. Des médecins, diététiciens, paysans. Chacun a son rôle à jouer, où qu'il soit dans la chaîne alimentaire. Et c'est cette somme de petites choses qui permettra d'améliorer l'immunité, l'inflammation, la santé préventive globale. Diapo suivante. Alors, je voulais illustrer ces petites choses en vous montrant cette diapo sur la composition du lait. Dans un litre de lait qui sort de la vache, il y a à peu près 4% de matière grasse. Et dans cette matière grasse, il y a, donc c'est pas beaucoup, 4%, et dans cette matière grasse, il y a un peu d'oméga-3, pas beaucoup. 0,2% dans un lait d'hiver d'une vache qui mange que du maïs et du soja, et 1% dans une vache, pour une vache qui mange bleu blanc cœur ou qui mange de l'herbe au printemps. C'est pas beaucoup. 1% de 4%, ça fait pas beaucoup. Comme me disait un médecin il y a 20 ans, mais tu sais, trois fois plus de trois fois rien, ça fait pas grand chose. C'est sûr, mais diapo suivante. Quand on mange quand même beaucoup de lipides laitiers, beaucoup de matières grasses laitières, essentiellement chez nous sous forme de fromage, de beurre, de yaourt, etc. Et ben, entre le lait à 0,2%, le lait d'hiver, maïs, soja, et le lait bleu blanc cœur ou le lait de printemps, on passe de 3% de la couverture des besoins pour l'acide alpha-linolénique, qui est l'acide gras précurseur des oméga-3, de 3% à 20%. Et je voulais illustrer cette somme de petites choses, c'est un peu cette théorie du colibri, qui dit que chacun a sa place dans la chaîne alimentaire, mais chacun peut participer à améliorer les choses, passer de 3% à 20% des besoins pour nos 30 grammes de consommation de lipides laitiers, c'est bien, ça va jouer un rôle pour la suite, pour la santé des gens. Diapo suivante. Le travail qu'on a fait pour les oméga-3, on l'a pas fait pour la vitamine D, mais je vais essayer de vous le représenter quand même. Puisque Jean-Michel Le Cerf a parlé de la vitamine D comme d'un candidat probable sur le Covid et sur les autres maladies à composantes inflammatoires. Aujourd'hui, on considère qu'il faut, pour être bien en vitamine D, pour avoir un statut sanguin de vitamine D correct, il faut être entre 20 et 30 nanogrammes par millilitre. 80% de la population française présente des taux sanguins inférieurs à 30 mg. Et 50% des taux sanguins inférieurs à 20 nanogrammes par millilitre. Donc, clairement en déficit. Alors, c'est compliqué de chercher les facteurs de variation. Ça a été expliqué par Jean-Michel Le Cerf. 70% de la vitamine D, 70% est évidemment pas un chiffre gravé dans le marbre, est fabriqué par nous, sous la peau. La vitamine D3 à partir d'un précurseur du cholestérol. Et 30% vient de l'alimentation. Donc, quels sont les facteurs de variation? L'exposition au soleil, bien évidemment, mais aussi l'alimentation pour la vitamine D2 d'origine végétale et pour la vitamine D3 qui semble plus efficace d'origine animale. Et la vitamine D3, alors quand on est en France, particulièrement en Bretagne, selon l'ANSES, la première source de vitamine D alimentaire dans l'alimentation des Français, c'est le beurre, puis les œufs, puis le poisson gras.
On a évidemment beaucoup plus aux 100 grammes de poisson, mais on en mange beaucoup moins que du beurre ou des œufs. Quand on est en Norvège ou au Japon, c'est plutôt le poisson gras qui est la principale source de vitamine D. Diapo suivante. C'est là-dessus que je voulais vraiment insister en disant donc, on peut choisir ce qu'on mange, mais la vitamine D3, donc, qui est une vitamine animale, qui est la principale, plus importante que la vitamine D2 végétale, à la fois en quantité et en qualité, la teneur d'un lait ou la teneur d'un œuf en vitamine D, ça peut varier de 1 à 5. Pourquoi ? Parce que les animaux fabriquent comme nous. Ils ont aussi une synthèse endogène de vitamine D en fonction de leur exposition à la lumière. Donc selon la latitude, bien sûr, selon l'endroit où on se situe sur la planète, mais aussi selon l'exposition à la lumière et au soleil, on ne va pas avoir les mêmes quantités entre un œuf de printemps quand les jours sont longs ou un œuf d'automne. Pour la même poule, on n'aura pas la même composition. La façon dont les animaux sont élevés, la façon dont ils sont nourris, là c'est plutôt pour la vitamine D2, va changer et la quantité de vitamine D dans l'assiette peut varier, pas seulement en fonction de nos choix à nous, mais aussi en fonction du choix du producteur qui élève la poule ou la vache qui vont fournir de la vitamine D. Diapo suivante. Pour les végétaux, c'est pareil. Là, j'ai mis une copie d'écran d'une ONG américaine qui s'appelle Bionutrient Food Association, avec qui on travaille pour essayer de caractériser la composition en micronutriments des fruits et légumes notamment. Et ce qu'ils disent sur leur site, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais ils disent que pour les carottes, par exemple, on a des quantités de polyphénol et polyphénol qui vont de 1 à 200 pour la carotte qu'on vient d'arracher, hein, qui sort du champ, avant qu'elle soit cuite ou transportée, etc. C'est énorme, c'est fonction évidemment de la saison, de l'endroit, de la variété, mais aussi de la façon dont on a nourri la carotte, parce que la carotte elle est nourrie par le sol. Et c'est cette synthèse d'antioxydants, de polyphénol, elle a besoin d'enzymes, elle a besoin de substrats, et en fonction de la façon dont on nourrit le sol, donc on l'a vu de façon très claire dans nos analyses, puisqu'on a implanté un labo comme ça pour Bleu Blanc-Cœur en France, et bien on voit ces variations de 1 à, pas de 1 à 200 chez nous, mais de 1 à 10 ou de 1 à 20 sans problème, en fonction, pour les mêmes variétés, pour des parcelles proches, en fonction dont les légumes ont été nourris en quelque sorte, ou dont le sol a été nourri. Voilà, diapo suivante. Alors, si j'ai un take-home message, un message à passer, et puis à discuter tout à l'heure à la séquence de questions-réponses, c'est que dans les nutriments barrières qui ont été cités dans les interventions précédentes, c'est souvent des nutriments, ça m'amuse de le dire comme ça, on dit beaucoup de mal des graisses animales, c'est des nutriments qui sont gras et qui sont animaux. Qu'il s'agisse des oméga-3 à longue chaîne, EPA, DPA, DHA, on a beaucoup parlé d'EPA et de DHA, à part quelques micro-algues, très rares, ce sont des nutriments exclusivement animaux. Pareil pour la vitamine D3, puisque c'est fabriqué par l'animal, sous la peau ou par l'homme. Et ces nutriments animaux, dans nos journées One Health, il faut le souligner, on en parlera plus à la deuxième journée, ils participent aussi à la santé animale, c'est-à-dire qu'un animal bien nourri, avec un bon rapport oméga-6, oméga-3, il sera moins sensible à l'inflammation. Ces nutriments, ils sont donc 100% dépendants de la façon dont les animaux sont soignés. J'ai mis soignés parce que qu'il s'agisse de l'exposition au soleil, de ce qu'on va trouver dans l'auge ou des pratiques agronomiques, tout ça participe à faire des animaux qui nous fourniront, parce qu'ils sont sains, des produits qui nous rendront, nous, en bonne santé. Et ces nutriments peuvent aussi, ça se sera bien développé à la deuxième journée, peuvent aussi être des marqueurs d'une bonne santé environnementale, notamment en ce qui concerne le stockage de CO2 ou les émissions de méthane, de gaz à effet de serre. Et pour les nutriments végétaux, particulièrement les fibres, les antioxydants, les polyphénols qui vont, Michel Le Cerf l'a expliqué, nourrir notre flore, notre microbiote, la composition peut varier énormément, sortie champ, en fonction de la fertilisation, de la saison, de la variété, mais aussi de la qualité et de la vie du sol, et notamment de la teneur en carbone du sol. Les modes de production conditionnent donc la qualité nutritionnelle et la qualité environnementale de nos aliments. Diapo suivante. Je voudrais rappeler le double défi. On parle de biochimie, encore une fois, au sens de la chimie de la vie, de densité nutritionnelle, mais aussi d'impact environnemental. Dans les deux cas, ça se mesure. Et je voudrais vraiment insister, je l'ai dit en introduction,
sur le fait que ce concept de One Health c'est tellement important que ça ne peut pas devenir ou ça ne devrait pas devenir un concept creux de communication. Les gens qui disent bah, il suffit, allez, c'est pas compliqué, il suffit de manger bio, local et de saison, c'est un peu plus compliqué que ça. Et dans tous les cas de figure, ça se mesure. Diapo suivante. De la même façon que j'ai posé tout à l'heure un cas d'école, une hypothèse d'école sur les oméga-3, je peux poser la même sur le CO2. À Bleu Blanc-Cœur, on a commencé à mesurer, à publier des choses sur l'empreinte carbone de nos aliments, de nos modes de production en 2001. On a réalisé notre première analyse de cycle de vie pour aller au-delà du réchauffement climatique en 2007. On a une publication qui nous a fait plaisir en 2020 de l'analyse de cycle de vie des produits Bleu Blanc-Cœur, ce qui est très bien. Maintenant, on passe au score unique qui reprend tout un tas de données environnementales et pas seulement le changement climatique, mais aujourd'hui on peut caractériser un œuf Bleu Blanc-Cœur par exemple en disant il a un rapport oméga 6, oméga 3 inférieur à 4 quand un œuf standard aura un rapport de 20, mais il a aussi une empreinte carbone abaissée de 18%, c'est publié, par rapport à un autre œuf plein air non Bleu Blanc-Cœur. Donc cette double caractéristique climat et densité nutritionnelle se mesure et c'est un peu notre fierté. Diapo suivante. Alors je finis en citant, ça c'est l'extrait d'un article, un des nombreux articles écrits sur immunité et nutrition par le professeur Calder. C'est, on va dire que c'est un appel à l'omnivorisme, parce que quand ce qui doit soutenir l'immunité, ces recommandations, les nutriments sont à gauche et les aliments à droite, et même on voit du poisson, du brocoli, des oranges, du foie, des œufs, etc. Il faut manger de tout. La diapo suivante. Le message est clair, mangez de tout en petite quantité, en quantité raisonnable. Mes diapos suivantes, il suffit peut-être pas de manger de tout. Notre combat, c'est de dire il faut manger de tout, mais avec une variété. Et cette variété, diapo suivante, manger de tout, mais avec des sols, des plantes, des animaux bien nourris, et nourris notamment de diversité, de variété, pour qu'on puisse retrouver tout ce panel de nutriments importants à notre santé. Qui passe du sol à la plante et de la plante à l'animal. Diapo suivante. Pour l'illustrer, quand Bleu Blanc-Cœur a publié ses résultats, entre guillemets, de l'année, contrôlés par un organisme tiers, on peut dire, on est content, on a ramené dans la chaîne alimentaire 900 tonnes d'oméga-3 puisées à l'air, au champ de lin, transformées par les animaux, transformées en DHA dans l'œuf, etc. Mais on n'a pas fait que ça. Et diapo suivante. On a aussi amélioré les paysages, ça veut dire qu'il y a eu moins de maïs, moins de soja importé, plus d'herbes, plus de luzerne, plus de lin, plus de févrole. C'est ça la santé unique. Et pour finir, ça concourt à dégager moins de CO2, à utiliser moins de produits phytosanitaires, à avoir un impact pas seulement sur la santé, mais aussi sur le climat de façon mesurée et rationnelle. Diapo suivante. Donc tous ces micronutriments, tous ceux qu'on a évoqués qui ont une importance dans l'immunité et l'inflammation, leur teneur dans nos corps pour résister, pour stimuler, enfin maîtriser l'inflammation et l'immunité, ça dépend bien sûr de la façon dont nous choisissons de nous nourrir, mais aussi de la façon dont animaux et sols ont été nourris, choix du mangeur et choix du producteur. C'est ce qui fait la force de notre démarche depuis 20 ans avec ce double impact environnemental et nutritionnel. Et diapo suivante, je crois que c'est un début de conclusion. Le virus est fort quand on est faible. J'ai emprunté ce schéma, une publication d'un groupe de chercheurs québécois, parce que je trouve très parlant le virus qui tourne autour des gens soit âgés, soit en mauvaise santé parce que obèses ou diabétiques, et des termes comme « inflammaging », l'inflammation qui vient avec l'âge, low-grade chronic inflammation, l'inflammation chronique à bas grade, l'immunosénescence, la diminution de l'immunité quand on est âgé, ça nous incite à diapo suivante, ça nous incite à dire que la nutrition qu'on défend, celle qui doit stimuler nos défenses, celle qui doit nous permettre de résister à des maladies de type Covid ou autre, cette nutrition elle doit absolument être accessible au plus grand nombre et notamment aux plus fragiles. C'est plus tout à fait de la science, mais je pense que tout ce qu'on fait sur une base scientifique, ça doit être fait pour le plus grand nombre et notamment pour les plus fragiles,
qui ne sont pas forcément les plus conscientisés ou ceux qui, pour des raisons économiques ou pour des raisons logistiques, quand on est en EHPAD, n'ont pas forcément accès à une alimentation, à l'alimentation de qualité qu'ils mériteraient. Diapo suivante. Voilà, donc j'ai fini à la santé unique. Je voulais vous dire, évidemment, c'est court, une après-midi, quatre interventions, mais on va en parler dans le débat. La santé unique, ce n'est pas un discours, c'est un concept mesurable. C'est celui qu'oriente nos cahiers des ressources, qu'on n'appelle plus cahiers des charges depuis 20 ans. La teneur en nutriments d'intérêt, ça se mesure. Vous avez vu que ça se mesure du champ à l'assiette dans les interventions, les premières interventions de Philippe Calder et William Harris. Vous avez vu que ça se mesure dans nos corps, ça se mesure dans le sang. La voie qui tient compte à la fois de la nutrition et de l'environnement, c'est une voie qui est étroite, qui est compliquée, mais on n'a pas beaucoup d'autres à suivre. Et au prochain, le 28 septembre, on continuera dans cette logique d'alimentation barrière et d'agriculture à vocation de santé, avec la mesure là des effets collatéraux sur la société, sur l'économie, mais aussi sur l'environnement et la santé animale. Diapo suivante. Pour dire, voilà, la santé unique, c'était ma première diapo d'intro, un sol sain et vivant, fini par faire des hommes en bonne santé. C'est pas sûr, mais c'est de plus en plus souhaitable d'une part et probable de l'autre. Et puis, pour finir, dernière diapo, voilà, dernier clic. Si les bases scientifiques sont solides, on peut poursuivre sur ce chemin-là. Encore une fois, il est étroit, mais il est beau. Et si on a des preuves, et c'est compliqué de les constituer, mais on y arrive, et ben c'est un chemin qu'il faudra continuer à suivre. Je voudrais juste vous dire, parce que j'avais commencé comme ça, j'ai fait un tout petit crochet vers les sciences humaines, pour dire qu'on n'a pas traité la nutrition et le terrain dans les débats sur le Covid, mais que ça viendra. Il y a une expérience de sciences humaines qui est assez connue, de psychologie sociale, dans les universités américaines, il y a des profs qui ont demandé à des élèves de compter le nombre de passes que se faisaient des étudiants sur des joueurs de basket sur un terrain de basket. Les étudiants étaient autour, ils comptaient le nombre de passes. Et pendant que les joueurs de basket se passaient le ballon, il y a un gorille, un bonhomme déguisé en gorille, qui a traversé le terrain en se tapant la poitrine. Et la moitié des étudiants n'a pas vu le gorille. Ils appellent ça la cécité d'inattention. On était tellement omnibilés par le vaccin ou la chloroquine ou les médicaments et la façon de s'en sortir, qu'on n'a pas vu le gorille, on n'a pas vu le terrain, on n'a pas vu la part qui était en nous de solutions pour mieux résister à des infections de ce type-là. Mais je termine avec espoir, je pense que le temps de la réflexion viendra et que la cécité d'inattention disparaîtra. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup Pierre. En parlant de cécité d'inattention, on a été très attentif pour notre part, encore une fois très pédagogique et très inspirant en ce qui concerne votre intervention. Merci encore, mais vous restez avec nous car maintenant nous passons à une nouvelle séquence, c'est la fameuse question-réponse séquence, c'est parti. Pour cette séquence de questions-réponses, Nathalie, eh bien, nous allons demander à quelques intervenants de nous rejoindre. Ils sont ici, à la fois le professeur Philippe Calder, professeur Harris également, Ronan Thibault qui nous a rejoint, et puis Pierre Veil. Alors pour ce qui est des questions, la première question vous revient, Philippe Calder. On a beaucoup entendu parler de vitamine D et d'oméga 3. Est-ce que ces deux nutriments ne seraient pas complémentaires, voire synergiques ? Eh bien, c'est une très bonne question. Et bien que dans ces deux sessions, nous nous sommes concentrés sur les oméga 3 et la vitamine D, je dirais qu'il y a beaucoup d'autres nutriments qui sont à prendre en compte. Hein, les minéraux, notamment le zinc, le cuivre, le fer et d'autres. Ils sont tous très importants pour venir soutenir le système immunitaire, pour le contrôle de l'information et pour l'influence sur notre microbiote, pour lutter contre les différentes interventions chimiques hein, des plantes. Donc tous ces nutriments
ont leur propre action biologique. Alors c'est vrai que moi je me suis concentré beaucoup sur les oméga 3, leurs actions, mais quand nous les consommons dans notre régime, eh bien c'est un mix de nutritionnel, je devrais dire, que nous consommons, et ce mix dans notre corps, en tout cas nous l'espérons, travaille ensemble. Et c'est vrai que bon, parfois certains, s'opposent, disons, oui, ou opposent l'action d'autres. Donc je ne pense pas qu'il y ait une balle d'argent ou une balle magique, oui. Je pense que nous en avons besoin de tous. Je pense que peut-être un point. La manière dont la nutrition fonctionne, c'est que elle aide les cellules dans leur fonctionnement, n'est-ce pas? Et donc, les cellules ont besoin de différents types de nutriments pour fonctionner au mieux. Et il n'y a pas beaucoup de sens à penser qu'un seul nutriment pourrait aider le système à lui seul. Il faudrait plusieurs nutriments à travailler ensemble. Et donc, quand je réfléchis un petit peu à votre question encore, je pense que cette approche synergétique, oui, est probablement la réponse, en effet. Merci beaucoup, professeur Calder. Je crois que vous avez maintenant une question pour Renan Thibault. Oui, professeur, vous nous avez rejoint. Merci beaucoup. Vous êtes professeur Renan Thibault, vous êtes professeur de médecine et aussi chef du service nutrition au CHU de Rennes. Et du coup, il y a une question qui, je pense, vous est adressée. En tout cas, je l'oriente vers vous. Dans la présentation, notamment celle de Pierre à la fin, il a été question des populations fragiles et notamment des personnes âgées. Est-ce que vous pensez que la nutrition est suffisamment prise en compte pour ces populations âgées qui ont été durement touchées pendant le Covid ? Alors pour notre part, on ne vous entend pas encore. Peut-être... est-ce que là on vous entend ? On va vous demander de... Bon, à savoir que nous sommes en direct, bien sûr. Allez-y, si vous pouvez nous parler un petit peu. Non, a priori le micro est coupé, ce n'est pas grave pour le moment, on va voir avec les techniciens s'il y a possibilité de résoudre cette difficulté. Ce que je propose, c'est qu'en attendant, on pose la question qui nous a été remontée pour le professeur Harris, si ça vous va. C'est bon pour vous la technique, Renan, Thibault, on peut l'entendre ou pas? Oui, bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Ah, parfait. Donc, de mon côté, tout était bien activé. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci Nathalie pour la question. Merci à tous pour l'excellent symposium. Effectivement, la personne âgée est souvent pas très bien alimentée, en tout cas dans les structures d'hébergement. On pourrait en tout cas essayer d'optimiser les choses. Et c'est vrai qu'à Rennes actuellement, là, nous avons un projet de mener une étude justement pour voir si une alimentation qui contient des oméga-3 permettrait d'améliorer... de ralentir en tout cas la perte de dépendance des personnes âgées qui vivent en maison d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on s'est aperçu à cette occasion que c'était très difficile à la décharge des équipes et des systèmes de restauration d'optimiser l'alimentation reçue aux personnes âgées du fait des contraintes aussi de marché, des contraintes d'approvisionnement. Et on espère que cette étude permettra de mettre en lumière l'importance de mieux nourrir les personnes âgées. Mais l'intervention là serait par l'alimentation et non pas par l'ajout de compléments alimentaires, comme on a pu le voir peut-être sûrement dans les études que nous ont présentées les professeurs Calder et Harris. Merci beaucoup. On a une troisième question. Alors cette question s'adresse à tout le monde. Je serais tenté de dire la personne qui souhaite répondre, n'hésitez pas à lever la main, même si vous êtes plusieurs. Voici la question. Faut-il comprendre que les produits animaux, pourtant tant décriés aujourd'hui, ont une place importante à reprendre et à affirmer dans la gestion d'une alimentation favorable pour la santé? Allez, qui souhaite répondre à cette question? J'attendais que la traduction opère, mais... Oui, professeur Calder. Oui. Oui. Bon, je pense qu'il faut qu'il y en ait un qui l'apprenne, donc je l'apprends. Je pense que c'est une très bonne question, en effet, parce que, en effet, on voit qu'il y a une espèce de mouvement à se, comment dire, à s'écarter de l'alimentation animale, disons. Alors Pierre a parlé un petit peu de ça, et notamment en lien avec la gestion de la crise de Covid-19. Et bon, il y a les différents nutriments qui étaient listés, vous savez, sur sa diapo, et
Et je crois que l'argument dans ce tableau, c'était de démontrer qu'il faut tous les nutriments importants pour notre système, et pour les obtenir, il faut une nourriture, un régime équilibré. Et ça veut dire de l'alimentation végétale et de l'alimentation animale, parce que beaucoup de nutriments essentiels sont... sont présents dans l'alimentation animale, disons, oui, et d'autres dans l'alimentation végétale. Les oméga 3 à longue chaîne, c'est plutôt dans les poissons, par exemple. Hein. Le zinc, la vitamine B12, par exemple, est assez difficile à trouver dans les plantes, mais est abondante dans la nourriture d'origine animale. Voyez. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque dans notre débat, cette importance de la contribution de la nourriture d'origine animale dans l'apport de nutriments essentiels. J'espère que la réponse est assez claire pour vous sur ce point. Tout à fait, merci. Alors, professeur Harris, nous allons passer à vous maintenant. Oui. Vous avez une question, Nathalie, je crois. Je ne sais pas si vous vouliez compléter la réponse de M. Calder, sinon j'ai une question pour vous, ou plusieurs questions. Notamment sur l'index oméga 3. On a eu pléthore de demandes. J'en profite pour dire qu'il y a beaucoup de demandes. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les traiter, mais on reviendra vers vous avec les éléments de réponse en consultant nos experts. Donc, sur cet index oméga 3, plein de questions. Est-ce qu'il se prescrit? Comment ça se passe en pratique? Finalement, un bon index d'oméga 3 pour une démarche de prévention santé, pour lutter contre le Covid ou les autres maladies de civilisation, c'est quoi le bon niveau? Vous nous avez présenté la variabilité. À partir de quel niveau on peut se sentir en bonne santé? Et y a-t-il, dernière question, j'en profite, une différence entre les hommes et les femmes? Alors, déjà, je voudrais me faire l'écho de ce qu'a dit Philippe. Je pense qu'il n'y a pas une balle magique, d'accord, concernant notre régime. Nous, on s'est intéressé aux oméga 3 parce que nous pensons qu'ils sont particulièrement déficitaires ou déficients dans le régime alimentaire des pays occidentaux. Et je pense qu'on peut y remédier. Hein. Bon, et encore une fois, je veux pas paraître que les acides gras oméga 3 jouent un rôle, hein, d'accord, c'est pas mon propos. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un bon index oméga 3? Écoutez, c'est la manière de mesurer déjà, hein, on va prendre un kit, hein, pour tester le sang. Ils peuvent le commander d'ailleurs, ce kit, sur notre site. Ils vont recevoir le kit. Vous piquez, hein, comme pour le diabète, hein, vous piquez le doigt, toc, vous envoyez le sang. Et puis nous, on va vous envoyer votre index d'oméga 3. C'est tout à fait mesurable. Hein. Et pourquoi 8%? Parce que il paraîtrait que 8%, surtout en tout cas si on revient à 2004, hein, là où on a publié pour la première fois cet index, ça montrait qu'à peu près à 8%. Surtout si on prend, hein, de phénomène de risque, d'accord. Il faut mettre une valeur, et puis on s'était mis d'accord sur cette valeur de 8%. Et donc on a proposé cet index, cette mesure. Et puis ça fait quelques années que ça dure. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a, entre 7,1 et 9, les différences vont être très 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 fortes. C'est un continuum, bien sûr, n'est-ce pas? 6 c'est mieux que 4, 7 c'est mieux que 5, et ainsi de suite, bien sûr, vous comprenez. Donc, alors je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, en tout cas, je m'arrête là. S'il y avait une précision peut-être, est-ce que le statut nutritionnel en oméga 3 d'un homme et d'une femme sont différents? Pierre en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut considérer que la femme est avantagée de ce point de vue-là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes et le pourquoi? Alors oui, les femmes, et je pense qu'avant la ménopause, hein, quand les femmes sont fertiles, qu'elles peuvent tomber enceintes, elles vont avoir un niveau de DHA plus important, d'accord? Pas forcément beaucoup plus élevé, hein, mais leur niveau de DHA sera plus élevé que celui des hommes. Et ça, c'est probablement pour préparer une femme à devenir enceinte et à donner naissance à un enfant, parce que bien sûr, un enfant a besoin d'un taux de DHA très important.
Donc, et la manière dont ça fonctionne, hein, c'est par les œstrogènes, hein, donc l'hormone va augmenter le taux de conversion de LA en EPA et en DHA. Mais ça se réduit dans les 40, la quarantaine, cinquantaine, hein, et puis dans la soixantaine d'ailleurs, leurs niveaux sont les mêmes que les hommes. Voilà. Et d'ailleurs, on a publié quelque chose d'assez intéressant récemment là-dessus. Donc, des femmes, à qui on donne des œstrogènes, dans des essais randomisés d'ailleurs à large échelle, et on s'aperçoit qu'ils ont des taux plus importants, pas uniquement de DHA, mais d'autres oméga 6 d'ailleurs, à chaîne longue. Hein. Mais ça, c'est quand elles sont stimulées par les œstrogènes. Merci beaucoup. Une question maintenant pour vous tous. Celui qui veut répondre, encore une fois, lève la main. Messieurs, comment expliquez-vous que vos travaux qui convergent vers une telle vérité scientifique, à savoir que l'alimentation est un outil de politique pour la santé publique, aient pu être autant ignorés par les instances internationales dans la gestion de la crise Covid-19 ? Allez-y, celui qui souhaite répondre. Philippe, allez-y. Ben écoutez, je la prends en premier, hein, pourquoi pas. Hein. Parce que j'imagine que... Je pense que c'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises, je crois. Donc je pense que... Et d'ailleurs, je ne me l'explique pas. Hein. C'est un peu un mystère, en fait. Mais en tout cas, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, en tout cas, est assez tôt dans l'apparition du Covid-19, c'est que les personnes souffrant d'obésité avaient un risque plus important. Et le gouvernement s'en est rendu compte, on va dire, à peu près dans les 6 semaines après le début de l'épidémie. Et ils ont commencé toute une série d'activités à voir avec donc l'activité physique, la gestion du surpoids et ainsi de suite, d'accord. Et donc on avait des publicités, des panneaux publicitaires à la radio et ainsi de suite. Et donc il y avait cette idée que ok, l'obésité c'était un facteur de risque et donc il fallait faire quelque chose avec ça, d'accord. Mais un des points et d'ailleurs c'était, je comprenais pas pourquoi d'ailleurs il ne faisait pas de lien avec le manger sain, pardonnez l'expression, parce que c'est important qu'on soit dans une situation d'épidémie ou non, d'accord. Manger sainement aidera toujours les gens à améliorer leur système immunitaire, ça ne peut pas leur faire de mal, n'est-ce pas. Et donc, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas utilisé l'information existante pour promouvoir davantage d'hygiène de vie favorable à une meilleure stimulation du système immunitaire. Et c'est vrai qu'on cherche des réponses, d'accord. Et dans certains cas, les autorités ont pensé que c'était pas bon de penser que okay, telle ou telle réponse, telle ou telle solution serait une solution si éventuellement il y avait un risque qu'elle ne l'était pas. Bon, je ne sais pas si certains autres veulent ajouter à ce que j'ai dit, hein, mais... Merci beaucoup. Non, c'est effectivement, merci de nous avoir orientés sur cette question. On reviendra à une autre question également pour vous, Philippe Calder, mais là, pour le coup, eh bien, c'est à vous, Nathalie, d'intervenir. En tout cas, pour réagir par rapport à ce que vous avez dit, je pense que la ministre qui a introduit la séquence One Health a bien parlé d'une agriculture à vocation santé. Donc j'espère qu'il y a bon espoir que ce sujet puisse être pris en compte dans les politiques de prévention santé. Du coup, comme on parle prévention santé, on parle peut-être, il y a une question sur le microbiote. Est-ce qu'il y a, enfin, en quoi les oméga-3 contribuent à une bonne santé du microbiote? Est-ce qu'on peut repréciser un peu la mécanique et l'intérêt d'une alimentation pourvue en oméga-3? Peut-être Pierre, ou Renan, je ne sais pas. Pierre? Non, moi, je peux juste me faire l'écho de... On a un conseil scientifique de temps en temps. Et le dernier était consacré à deux thèses et des travaux qui vont avec, qui étaient consacrés au lien entre oméga-3 et microbiote. Et il y a notamment une... alors je ne sais pas si Michel Nars est avec nous, s'il écoute, de l'Université de Dijon, de l'INSERM, mais il a fait des travaux remarquables, je ne peux
pas tout compris, hein, je relirai, mais je trouve remarquable ce qu'il a fait, notamment le titre d'un de ses articles, c'était l'effet des oméga 3 médiés par le microbiote. Alors c'est assez complexe. Il y a une chose que j'ai retenue, c'était le transfert du microbiote de souris Fat One, de souris transgéniques qui fabriquent leurs propres oméga 3 vers des souris axéniques. On amène le microbiote de ces souris qui produisent beaucoup d'oméga 3 elles-mêmes, parce qu'elles ont un gène qui leur permet de faire ça. Et quand on amène ce microbiote de souris très pourvues en oméga 3 vers des souris wild type, des souris normales, qui elles ne fabriquent pas leurs oméga 3, on retrouve des effets qui sont des effets habituels des oméga 3 qui seraient médiés par le microbiote. Alors après, je ne suis pas rentré dans le détail, puis je suis pas assez savant pour vous l'expliquer, mais en tout cas, ce lien, les gens qui ont posé la question, on les mettra peut-être en contact avec Michel Nars. Il y a Claire Pissonneau aussi à Clermont qui a fait une thèse sur le lien entre oméga 3 microbiote avec des résultats très étonnants, mais il y a un lien entre les deux. Je vais m'arrêter là, mais les gens qui ont posé la question, on les renverra vers les spécialistes et leurs publications, et c'est en tout cas un sujet qui nous intéresse beaucoup et pour lequel on investit un peu dans des thèses et des travaux de recherche. Merci beaucoup Pierre. Oui, allez-y Renan. Oui, c'est vrai que le lien est beaucoup moins établi entre les oméga 3 et le microbiote qu'avec d'autres nutriments. Je voulais ajouter que dans le cadre d'une étude clinique qu'on mène aussi actuellement chez des femmes enceintes, qui reçoivent donc une alimentation bleu blanc cœur par rapport à des femmes qui n'en reçoivent pas, on va regarder si leurs enfants, donc des femmes enceintes, hein, on va regarder si le microbiote de leurs enfants va évoluer. Donc du nouveau-né, hein, en fonction de l'alimentation bleu-blanc-cœur. Donc j'espère qu'on aura des réponses complémentaires, en tout cas en ce qui concerne le microbiote du nouveau-né par rapport à cette question. Merci beaucoup d'avoir complété. Alors en ce qui concerne les questions, il y en a multiples qui ont été posées. Bien sûr, vous ferez en sorte chez Bleu Blanc Cœur de répondre à toutes les questions après sur les réseaux. Mais nous avons une dernière question à poser au professeur Calder et peut-être le professeur Harris, allez-vous intervenir également. Vous avez parlé du rôle important des oméga-3 EPA et DHA pour maîtriser l'inflammation. Mais est-ce que les excès d'oméga-6 ne seraient pas aussi en cause et ne faudrait-il pas préconiser une réduction des apports en oméga-6? Ben c'est une très bonne question là aussi. Je crois que, de manière générale, les oméga 6 et oméga 3, donc les acides gras oméga 3 et oméga 6, agissent de manière opposée, disons. Et donc il faut un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que, moi j'ai parlé donc des oméga 6, hein, des oméga 3, les EPA, les DHA, en tant qu'oméga 3 en tout cas. Mais n'oublions pas les effets chimiques, peuvent être un problème s'il y a en effet un excès d'oméga 6. Et donc bien sûr, il faut un équilibre entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a eu des études publiées en ce sens, donc utilisant les oméga 3 et en réduisant le nombre d'acides gras, donc oméga 6, hein, et ça marchait mieux que de donner que des oméga 3. Donc je pense qu'en effet, cette notion d'équilibre est importante. Mais bon, c'est assez difficile, ceci dit, de mener ces enquêtes dans des études sur les humains, bon, pour différentes raisons, mais c'est une très bonne question en tout cas. Et je pense que, en effet, réduire les oméga 6 pourrait avoir un impact positif en tout cas sur le rôle des oméga 3. Mais bon, ceci dit, je me dis que donner des oméga 3 est peut-être une meilleure solution que de juste réduire les oméga 6. Je ne sais pas si ça répond suffisamment. Merci beaucoup. Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose? Professeur Harris. Professeur Harris, oui, tout à fait. Oui. En tout cas, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un équilibre. Maintenant, quel est cet équilibre?
je sais que bon, les acides gras oméga 6 ont une mauvaise réputation, et notamment de l'impact sur le métabolisme, hein, de leur impact sur le métabolisme. Mais bon, je crois qu'il faut faire attention néanmoins, parce que certaines personnes disent qu'il bon, il faut réduire les niveaux d'oméga 6 dans un régime. Je pense qu'il peut y avoir des conséquences que nous ne voudrions pas à se faire. Et ce n'est pas uniquement dans l'équilibre uniquement entre oméga 3 et oméga 6. Hein. Il y a différents autres éléments à prendre en compte. Et c'est vrai que certaines personnes tendent à penser que les niveaux plus importants d'oméga 6 peuvent être bénéfiques, notamment pour réduire pour réduire les impacts négatifs du diabète et différents problèmes cardiovasculaires. Voilà. Donc il faut faire attention quand on parle des oméga 6, voilà, parce qu'il y a peut-être des impacts qu'on ne mesure pas encore suffisamment. Eh oui, tout à fait. Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on peut peut-être conclure la séquence des questions-réponses. Il y avait pléthore de questions, mais on y reviendra, comme tu l'as dit. Merci à tous pour votre présence et tout ce que vous nous avez apporté pendant cette séquence. Merci beaucoup. C'est la fin, effectivement, des questions-réponses. Et nous partons maintenant avec un nouveau membre de l'Élysée. Alors, il ne s'agit pas d'un ministre. Il ne s'agit pas du président, mais il s'agit du cuisinier et du grand chef cuisine de l'Élysée. Cher Mika, il a évolué dans ses fonctions. C'est même plus que ça. Alors allez-y, Nathalie. Il est maintenant représentant personnel du président culinaire de la République pour incarner la gastronomie française en France et à l'étranger. Donc autant dire que le président mange bleu blanc cœur. Il s'agit de Guillaume Gomez en l'occurrence. Et il est parmi nous. Guillaume, on vous écoute en ce qui concerne justement votre vision de la gastronomie en lien avec ce sujet de l'alimentation santé. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous. Donc Guillaume Gomez, un des meilleurs ouvriers de France. J'ai été durant près de 25 ans au Palais de l'Élysée. J'ai terminé ma carrière là-bas comme chef de cuisine et je suis aujourd'hui le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Alors ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé il y a quelques années maintenant de m'engager avec Bleu Blanc Cœur. J'ai créé il y a quelques mois ce rôle d'ambassadeur pour Bleu Blanc Cœur également. Et c'est vrai que les interventions qui m'ont précédé font sens, puisque aujourd'hui l'alimentation et la santé va dans ce que l'on veut prôner, en tout cas pour notre alimentation déjà d'aujourd'hui, mais d'autant plus celle du futur. Et c'est vrai que ce lien entre nutriments, santé, et je rajouterais gourmandise, je suis là, c'est aussi pour vous parler un petit peu de gourmandise, est avéré et démontré, et c'est ce qui aujourd'hui fait vraiment sens pour nos autres transformateurs, cuisiniers, mais pas seulement, parce qu'on parle beaucoup des chefs de cuisine, mais l'alimentation, c'est bien évidemment plus que de la cuisine. Donc moi, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, déjà, merci pour l'engagement que vous avez et tout ce que vous faites. Moi, ce qui est important, c'est bien sûr que tout ce qui contribue à notre alimentation, à pouvoir mettre en avant le travail de celles et ceux qui font notre alimentation, qui font notre terroir, qui font nos territoires, tous nos producteurs, tous nos agriculteurs, nous devons les soutenir et les chefs font vraiment ce qu'il faut pour cela. C'est vrai que dans l'assiette elle-même, le travail du cuisinier doit faire en sorte que cette alimentation doit avant tout, au-delà d'être bonne bien évidemment en termes de goût, elle doit être bonne pour sa santé, faire société. Et c'est le but vraiment de l'alimentation de demain, ce que l'on souhaite pour notre alimentation. Et c'est vrai que la construction même de nos recettes, sans le savoir, nos recettes ancestrales, on avait parlé il y a quelques temps par exemple de ce plat emblématique que peut être un bœuf carotte avec le vin rouge, les antioxydants, les légumes, tous les nutriments que l'on peut retrouver, sans le savoir déjà on fait de la cuisine santé. Donc il faut bien évidemment qu'on puisse travailler tous ensemble avec les acteurs du monde de la santé, les nutritionnistes, les chefs travaillent de plus en plus avec des nutritionnistes, pour pouvoir aller vers cette sensibilisation du grand public, vers une alimentation qui soit plus saine
et qui puisse nous apporter via tout ce que l'on peut retrouver à l'intérieur une bien meilleure santé. Je pense que autant il y a quelques années c'était quelque chose qui pouvait paraître en dehors du discours parce que on opposait santé et gourmandise, on opposait santé et plaisir, et on se rend compte que de plus en plus on va vers de la pâtisserie, de la cuisine moins grasse, moins sucrée, mais avec autant de goût et autant de plaisir. Et je pense que le message important, c'est de pouvoir se dire que c'est pas parce que c'est moins sucré, allégé en gras, que l'on prend en compte les nutriments à l'intérieur, donc faire attention à la cuisson, faire attention au traitement de nos produits, que ça sera forcément moins bon et que ce sera forcément moins gourmand. Je pense que dans la tête aujourd'hui du consommateur, cela a bien évolué et c'est grâce au travail que vous faites notamment. Donc moi, je suis très fier de pouvoir être avec vous. Je suis très fier de pouvoir contribuer au fur et à mesure que l'on avance avec, c'est vrai, avec Bleu Blanc Cœur, mais qu'on puisse faire tout ça. Et vous dire aussi que si l'image des chefs, si l'image de la gastronomie française est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que tout au long de ces récentes années, c'est vrai, mais quand même depuis un certain temps, on a pris en compte tous ces éléments. Donc c'est intéressant qu'on puisse participer à des journées comme celle-ci, que l'on puisse échanger, que l'on puisse grandir et construire ensemble notre alimentation de demain. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que le but de notre alimentation, le fait même de la commensalité, de partager un moment, c'est aussi d'aller vers une alimentation qui soit bien sûr plus en accord avec le danger. Et faire société, c'est vraiment ça, c'est partager un moment, mais au moment où tu partages ma table, je prends soin de toi, je fais attention à ton alimentation, je fais attention à ta santé. Donc c'est quelque chose, c'est vrai, qui n'était pas du tout pris en compte il y a quelques années, ni dans les écoles de cuisine, ni même dans les différentes tables rondes ou les colloques auxquels les chefs ou les pâtissiers, les cuisiniers, les charcutiers pouvaient participer. On a encore quelques sujets, hein, bien évidemment, tout n'a pas changé, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse se dire ensemble, on va vers une alimentation qui est aussi le modèle de l'alimentation française, riche, variée. Je parraine en ce moment l'année internationale des fruits et légumes. On a aussi ce débat en ce moment vers une cuisine qui va un petit peu plus sur le végétal, où on doit manger de tout. L'homme est omnivore, donc on doit aller vers une alimentation en accord avec tout ça, mais en même temps une alimentation qui soit réfléchie. Et on est responsable. Et c'est vrai qu'on fait souvent le parle de notre alimentation, de la fourche à la fourchette, parce que il y a quelques années, les chefs de cuisine, en faisant leur carte, ne s'occupaient pas ni d'où ça venait, ni même d'où ça allait. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. On parle quasiment d'un travail de la terre à la poubelle, puisqu'on va tout regarder, le travail de la terre, bien sûr, les semences, le comment est-ce que c'est produit, le comment est-ce que c'est distribué. La distribution est un point important également dans l'impact environnemental de notre alimentation. Le travail en lui-même du produit, est-ce que j'optimise au maximum le produit, est-ce que je ne dénature pas le produit? Quand je dis dénaturer le produit, c'est pas juste en changeant son goût, c'est surtout en éliminant certains nutriments qui pourraient apporter quelque chose, et au-delà de ça, avoir aussi la vision du gaspillage alimentaire, qui est bien évidemment très important, jusqu'à la méthanisation des déchets, au traitement de nos déchets. Donc c'est pour ça que je vous parle de la terre jusqu'à la poubelle, parce que le cercle vertueux se trouve bouclé quand on traite nos déchets et qui retourne ensuite à la terre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte aujourd'hui par nos chefs. Et alors, c'est vrai qu'on compte énormément sur cette gastronomie française, sur cette agriculture de la santé, puisque, alors il a peut-être fallu passer malheureusement par quelques scandales sanitaires de l'agroalimentaire pour que les gens se posent la question, mais qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je mets dans mon assiette, et du coup, qu'est-ce que je mets dans mon corps. Et c'est un travail qu'on a pu faire en commun avec bon nombre d'agriculteurs avec lesquels j'échange, pour aller justement vers plus de transparence et expliquer le travail de chacun, le travail de l'agriculteur, le travail de la distribution, le travail de la transformation, pour aller vers une,
d'alimentation, je vous l'ai dit, plus saine, tout en gardant bien évidemment cet aspect gourmandise qui est très important, puisque si je suis devant vous aujourd'hui, c'est quand même pour vous parler aussi de ça et vous dire que bien évidemment, avant tout, c'est notre premier médicament, l'alimentation, donc il faut que cette alimentation soit bonne pour notre santé. Mais si c'est juste pour manger des jus de quelque chose ou des ersatz d'autre chose, ou une alimentation qui ne serait issue que de travail en laboratoire, on s'éloignerait vraiment du plaisir et de la gourmandise, et c'est pas l'alimentation qu'on veut. Mais par contre, on veut d'une alimentation qui soit plus saine, meilleure pour notre santé, meilleure pour la santé des autres et pour faire société, et surtout meilleure pour la planète. Donc merci à vous de cette journée, merci à vous du travail fait, merci à vous que l'on va pouvoir faire ensemble, et j'espère pouvoir vous rencontrer rapidement et qu'on puisse ensemble contribuer au rayonnement de cette gastronomie française, et par la gastronomie française j'entends bien sûr le rayonnement de toutes celles et ceux qui la font, et vous en faites partie, et cela part d'abord avant tout de nos producteurs. Donc merci pour le travail que vous effectuez au quotidien pour nous nourrir. Merci chef, merci pour cette intervention qui finalement réconcilie peut-être nos papilles avec notre microbiote, si je peux le dire comme tel. Ouais, ouais. En tout cas, vous avez dit que vous étiez fiers de travailler aux côtés des agriculteurs et de tous les acteurs de la filière Bleu-Blanc-Cœur. Ben, le collectif Bleu-Blanc-Cœur est très fier de vous compter parmi ses ambassadeurs à côté des autres 17 000 membres qui portent cette démarche d'agriculture à vocation santé. Je dirais que le temps est venu maintenant de conclure cette première session de One Health, oui, déjà, qui aura été dédiée aux aspects santé humaine. Avant tout, je voulais remercier l'ensemble des orateurs qui ont brillé, je dirais, par leur talent de pédagogie, de communication. Je pense qu'on a passé une après-midi passionnante. Si je dois résumer ou retenir quelques mots-clés de cette session, je commencerai par dire que on a ouvert le champ d'une agriculture à vocation santé. Même la ministre, Madame Agnès Pannier-Runacher, appelait de ses voeux à la construction d'une agriculture à vocation santé, d'une alimentation préventive, nutrition santé. On a pu aujourd'hui découvrir un certain nombre de critères, d'éléments vraiment très importants scientifiquement, à savoir que les nutriments de notre alimentation régulent l'inflammation, l'immunité, gèrent notre microbiote, qui sont autant de facteurs qui concourent à une bonne santé. Donc maintenant qu'on sait ça, on doit pouvoir l'intégrer dans notre quotidien. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, quand on a découvert tout ce qui nous a été présenté cet après-midi, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et en l'occurrence, je pense que la nutrition doit trouver sa place dans la boîte à outils, comme le disait Pierre, de la prévention santé. La nutrition, c'est plus fin que le médicament. Le médicament, ça tape. La nutrition, on a dit tout à l'heure, ça régule, c'est beaucoup plus fin. Donc on a tout intérêt à prévenir le terrain, à soigner notre alimentation. Et pour aller sur le terrain, je dirais qu'on a l'équipe Bleu-Blanc-Cœur, tous les producteurs, tous les agriculteurs, tous les acteurs de la filière Bleu-Blanc-Cœur qui sont là pour continuer le chemin et faire partager ces connaissances au plus grand nombre. Donc merci à tous pour cette attention. Quelle belle conclusion, Nathalie. Merci à toutes et à tous. Alors, on s'invite à la table de Guillaume Gomes, sans aucun problème. On n'arrivera pas les mains vides avec toute l'équipe Bleu-Blanc-Cœur. On apportera quelques bons produits. Merci à tous. Le prochain rendez-vous, ce sera le 28 septembre prochain. Et on a déjà la liste de ce qui va se passer. À cette occasion, nous parlerons notamment des impacts collatéraux d'une alimentation santé sur l'environnement et le climat. Concernant les intervenants, il y aura Michel Duru et Jean-Louis Perrault d'INRAE sur la santé des animaux, Guillaume Chesneau de Valorex et Jocelyn Marguerie en tant que vétérinaire, et puis sur notre économie avec Louis-Georges Solaire, économiste à INRAE également. Et puis ce sera le professeur Philippe Legrand qui viendra mettre un coup de pied dans le plat, pour citer son ouvrage qu'il a sorti en 2015, et qui conclura cette émission. Ce sera encore une journée qui s'annoncera comme passionnante et enrichissante. On vous donne rendez-vous le 28 septembre. Bonne soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas de bien manger, et en l'occurrence, Bleu-Blanc-Cœur. Au revoir Nathalie. Au revoir Mika. Merci à tous.